qui marche. Bon, par contre, voilà, c'est un peu grand. Ah non, mais je suis très fier, je tiens à le dire. Je tiens à le mettre au plus de reste, si tu veux. Je vais essayer de voir si je peux le... Enfin, j'espère que ça marche. Ah non, mais il y a du travail, hein. faut pas ignorer ça, il y a du travail derrière. Alors on va faire comme ça. Et nous on aura le vrai live ici. Enfin le vrai live. Le vrai live. Et oui, je veux dire un jour. Avec ma voix, mon gars, c'est tellement acteur porno, je crois. Ah, mais je vais baisser. On acclame. Bonjour à toi Gamer TV, hein, qui dit acclamons Darko Zenaval et roi des otaku. Merci à toi. Un écran noir. Ah voilà. Tu peux couper le son ici si tu veux. D'accord. On entend moins là tout de suite avec. On laisse la musique ou on la coupe? Tu veux la couper? Ah, est-ce que moi si je la coupe de mon côté? On va voir ça. Je regarde en fait sur le deuxième écran. Ouais, ça la coupe aussi. Ça la coupe aussi. Donc on va la laisser. On va la laisser un petit peu comme ça. Bon, je te passe alors le... Merci à toi, hein. Gamer TV de... Parce que j'ai passé quand même l'après-midi, j'ai quand même passé l'après-midi à faire tout ça. Donc il y a du boulot, hein, faut pas... Faut... Je m'en cache pas. Yo! Je peux mettre tout ton coup, si tu veux. N'hésitez pas à faire la pub, puisque là on est... Bon, on est 4. C'est triste, c'est très très triste. N'hésitez pas à faire un peu de pub, faire tourner la page Twitter, Facebook, Skype à vos amis, ceux qui sont fans de manga. J'ai invité Kanzaro, il viendra peut-être dans la soirée, il m'a dit qu'il aura un peu le temps. Alors, dites-nous sur le chat si le son vous convient, est-ce qu'il faut mettre plus fort la musique, est-ce qu'il faut faire moins fort, est-ce qu'il faut faire moins fort le son de nos micros. Mais comme ça, parce que comme ça j'entends la musique. Ça fait tellement que tu en prends nous. Oui, je sais. Pas Dragon Ball ce soir. Bat de nuit. Non, sextape. La sextape qu'on avait prévue. On avait dit qu'on la ferait. Bah, ça va ce soir. Bon, pour les quelques personnes qui seront là, donc, via le Yard Straw Poll, nous avions proposé 3 mangas. Mirai Nikki, qui est un manga qui est quand même pas vieux, c'était l'un des plus récents d'ailleurs. Ouais, Dead Man Darland, qui a fait d'ailleurs beaucoup parler de lui aussi, et Dragon Ball. Et au final, bah, c'est quand même le papa des shonen, le roi des mangas, qui a fini par arriver premier avec 12 votes. Donc, on va parler aujourd'hui, bien sûr, de... Hashtag triste. Je vais faire de la pub sur GG. Ah oui, Google Plus et Skype, ok. Bon, je vais exterminer 2-3 choses, je reviens.
Donc ouais, on va parler uniquement donc de Dragon Ball. Il n'y aura pas de Dragon Ball Z, ni de Dragon Ball GT, encore moins du Dragon Ball Super. Nous parlerons uniquement, exclusivement de Dragon Ball lorsque Goku est petit, lorsqu'il se bat contre l'armée du Red Baron, lorsqu'il y a le tournoi avec Goku, il y a toute la conquête des boules de cristal, en passant par du Pilaf et en passant aussi par l'arc Tenshin Han du tournoi, en passant par du Tao Pai Pai, en passant par du Roi Piccolo et du Piccolo Junior. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui est prévu pour l'instant. Un chat qui s'est kidnappé derrière moi, mais rien de grave. Donc, salut à Bélis et salut à Zoro. Donc, comment allez-vous? Comme je disais à l'instant, n'hésitez pas à faire un peu de pub. Je te laisse pas seul. Et donc, ouais, n'hésitez pas à faire de la pub, histoire qu'on en soit un peu plus. Le live va durer 1 heure, 2 heures max. De toute façon, l'univers de Dragon Ball est assez court, c'est pour cette raison que nous allons parler un peu de tout ce qui est l'ancêtre de Freezer, parler de Freezer, de l'extermination de la planète Vegeta, du roi Vegeta, de Badak, de Guinée, et après tout ce qui était Jaco, The Galactic Patrolman, qui est quand même une histoire, on va dire, officielle du manga, donc on vous en parlera un peu plus, et ensuite on ira vraiment sur l'univers Dragon Ball. Mais je pense que pendant 20 bonnes minutes, on va un peu parler, bien sûr, de tout ce qui touchait l'univers, bien sûr, de Dragon Ball. Dans les commentaires, dans le chat, bien sûr, dites-nous si le son n'est pas... Enfin, si en tout cas, si le son est bon, si la musique n'est pas trop forte. Histoire que vous soyez quand même bon pour nous... C'est le chat, Nava. C'est le chat, Nava. C'est le chat, Nava, ou c'est le chat, Nava? C'est le chat, Nava. Ouais. De Nava, oui. Et il a pas qu'un chat, il a 12, ouais, 11 chats. Ouais. Je rigole pas, hein. Ouais. Ce n'est pas une blague. 11 chats et un bug allemand. Il y en a un qui se balade encore là. Peut-être qu'il y en a un qui aimerait vous dire bonjour tout à l'heure. Ouais. C'est pas le plus sympathique. Mais... Donc, les amis, est-ce que, comme je vous l'ai dit sur Twitter et Facebook, avez-vous été bien sûr acheter des Red Bull, des boissons énergisantes, des Monsters, des paquets de chips et tout? Tout est parfait, bah merci Gamer TV. C'est gentil, c'est gentil. Bien bossé. C'est gentil, c'est gentil. Donc par contre moi j'ai un peu la crève, donc si vous voyez que j'ai des coups de barre des fois, c'est normal, j'ai passé ma journée à dormir pour essayer. J'ai passé ma journée à dormir pour essayer de m'enlever la crève que j'ai. Et c'est vrai que j'ai juste complètement galéré aujourd'hui. J'ai passé ma journée à dormir, j'ai eu des petits soucis à côté de tout ça. Et donc j'étais juste crevé. J'ai passé ma journée à dormir. C'est juste super triste. Là normalement ça va aller. Très bon son, bonne qualité, c'est fluide, c'est parfait. C'est gentil. Il y aura une rediff sur YouTube, hein. On a trouvé, enfin Nava a trouvé. Pas sur YouTube, pour l'instant YouTube je sais pas, mais par contre Twitch c'est sûr, j'ai vu normalement, j'ai coché la case archiver les vidéos, donc normalement le live ici devrait être diffusé sur Twitch en tout cas. Normalement. Bon, c'est bon, moi j'ai pas la musique parce que du coup c'est avec ton casque. Mais... Bon les amis, on va dire à 45 on commence à parler un peu de tout ça. Ça va? Ben bien et toi? Ça va très bien. Zoro, comment ça va? Ouais, on est un peu à la bourse sur la chaîne, on a plein de vidéos à faire, mais on a profité un peu des vacances aussi. Et bah les cours reprennent dans moins d'une semaine maintenant. Ouais. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos pour la fin de cet été. J'essaie de vous faire environ, je sais pas. Et donc j'essaierai de faire environ 3 vidéos par jour, puisque de toute façon il y a The Heroic Legend of Arslan, Nanatsu no Taizai. Et demain, vous aurez Naruto Shippuden et Senseiya qui arriveront, avec l'épisode numéro 11. Donc voilà. Une petite danse, c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Oh putain, écoutez-moi cette musique, les gens. Je vais vous laisser...
10 secondes sans rien. Écoutez-moi cette chanson porno. Hein? Pourquoi tu t'excites comme ça? Te calmes directement, Raymond. Oh yeah. Alors j'espère que le fait de faire ça, parce que moi au moins ça me permet d'écouter la musique, mais j'espère qu'au moins ils entendront pas en double du coup le son. Non, moi non. Je pense pas. Maman, nine. Bon, on va plus tarder à commencer. Pop, pop, pop. C'est doux, oui, c'est magnifique. C'est doux, c'est magnifique. Nava était maître chanson porno et... Il a trouvé tout ça. Non, ce n'est pas chanson porno, c'est des. Je suis formel, c'est. Alors, c'est l'album 2015 YouPorn. The most relaxing and chill out. En gros, c'est des trucs de musique de bar et. Et voilà. Bon, allez, les amis. On va donc commencer à parler un peu de tout ça. Ouais. Alors. Grâce à Jacko the Galactic Performer, nous avons découvert la maman de Goku récemment. Une reconversion de Nava et Darkos peut-être. Oui, un porno, ouais, carrément. Porno ou bien barman, on choisira. On envisage encore. Enfin, mais donc grâce à Jacko the Galactic Performer, donc enfin découvert bien sûr Jinnae, si j'en veux bien, qui est donc la mère de Goku, la femme de Badak. Et au final, Jinnae est pas une combattante, ce n'est pas une femme qui va sur le champ de bataille. C'est une femme qui est bouchère sur Vegeta, enfin sa planète Vegeta en tout cas. Donc, sur Vegeta, ça fait un peu... on a découvert ça sur Jacko the Galactic Patrolman, 10 euros bien sûr bah, dans les magasins, donc n'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment très très bien. Ça parle... Bah de Jacko, qui est un personnage que l'on retrouve dans Focus on F, dans Dragon Ball Super, et un personnage que vous allez... Tu cherches toi la merde. Donc je vous montre ça rapidement. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Démon. Démon. S'en bat les couilles. S'en bat les couilles. Et donc, au final... Bah laisse-le, je vais aller. Non mais non mais... Et donc, au final, ouais, Jinnae qui est donc au final la femme de Badak, qui est donc une simple bouchère sur la planète Vegeta. Et au final, donc, on a bien sûr tout ce qui est l'invasion, bien sûr, de Frieza, qui est donc un peu, bien sûr, bah, le tyran de l'univers que nous connaissons, donc l'univers numéro 7, si je me rappelle bien. Et donc, au final, Freezer va donc avoir ordre de détruire la planète Vegeta, sous ordre, bien sûr, de Beerus, qui est donc le dieu de la destruction du 7ème univers. Et donc, Frieza va donc, en gros, lancer une petite révolution chez les Saiyans, qui vont donc, en fait, un peu se lancer contre... contre Frieza, au final il va avoir un petit coup d'état, tout le monde va s'arrêter, Badak va être le seul bien sûr à attaquer Frieza, ce qui va lui bah, donner la mort. C'est très triste. Et au final nous avons un petit OAV qui était sorti, OAV officiel, puisque ouais. Beaucoup gueulaient un peu au fake, au fanservice. Mais donc en fait Frieza n'a pas tué sur le coup Badak, il a donc en fait fait un espèce de voyage dans le temps, une sorte de voilà, il fait un petit déplacement temporel, il est retourné bah, plusieurs milliers d'années bien sûr avant la planète Vegeta et tout. Et il tombe sur... une planète qu'il ne connaît pas du tout, où il y a bien sûr des petits hommes tout violets, des petites créatures. Et au final, les personnes lui parlent d'une planète, je ne sais plus tout le nom, je crois que c'est une suite de chiffres. Et on découvre qu'en fait cette planète est la planète Vegeta, sauf que c'est la planète qui a des milliers, des milliers, des milliers d'années. Donc... Badak va se poser beaucoup de questions et bien sûr il va bah, commencer plus ou moins à paniquer hein, bien sûr pour savoir ce qui s'est vraiment passé avec Frieza et tout. Mais on découvre vraiment que c'est un peuple qui est très très doué aussi pour la médecine et que la pommade qu'utilisent donc ses habitants est donc le même fluide et la même matière qu'utilise en fait l'armée de Frieza sur Namek pour guérir les gens. Et c'est en fait la même matière dans laquelle guérit Goku quand, bah avant d'affronter bien sûr Frieza. Donc on rencontre dans ce OAV que je vous conseille énormément, que vous pouvez trouver sur YouTube, on va se le faire très très facilement. L'ancêtre de Frieza, qui est Shield, si je me rappelle bien, et qui va donc vouloir prendre contrôle de la planète Vegeta. Et nous avons le tout premier
Super Saiyajin qui apparaît. C'est qui? Bah c'est... Bardock. Qui arrive au Super Saiyajin. C'est Bardock. Bardock. C'est Bardock. Mais vous êtes morts les amis ou pas? Vous ne parlez plus du tout. Êtes-vous mort? C'est parce qu'ils écoutent. Sinon t'as qu'à voir si Twitch marche. Bon, mon histoire est belle ou pas les amis? Vous endormez pas quand je vous parle par contre. C'est pas juste histoire du soir, hein. Il est que 20h47. La petite histoire du soir avant les... Donc voilà, donc Shield au final va bien sûr attaquer Bardock. Il va trouver une force assez phénoménale chez cet homme qu'il ne connaît pas du tout, puisque la race des Saiyans n'est pas vraiment présente à cette époque-là, parce qu'elle n'est même pas encore apparue. Et donc au final, nous avons bien sûr le premier Super Saiyajin qui apparaît. Et en fait, le tout premier Super Saiyajin est Bardock, donc le père de Goku. D'ailleurs, il y avait une hypothèse sous laquelle le tout premier Super Saiyajin God, donc même le premier Saiyan divin, le premier Saiyan de Dieu, on va dire, pourrait plus ou moins être le père de Vegeta. Donc, es-tu capable ouais, on attend que tu finis ton résumé. Ah, mais le résumé va durer 2 heures, donc si vous ne parlez pas pendant 2 heures, les amis... Et donc, au final, voilà, nous avons un petit débat, une petite théorie sur laquelle le roi Vegeta pourrait être le premier Saiyan divin. Chose que je trouve très bizarre, puisqu'au final, grâce à Dragon Ball Super, je vous dis qu'on n'en parlerait pas, mais on va faire une petite aparté. On voit que le roi Vegeta se fait plus ou moins violer par Beerus. Donc est-ce qu'il est un Super Saiyan divin? On ne sait pas, mais en tout cas, il est fort possible qu'on ait eu un bien avant cela. Donc voilà. Bien sûr, avant la destruction de Pet Vegeta, il se passe quoi? C'est triste. Goku est donc envoyé sur la Terre. Voilà. Donc bien sûr, pour protéger. Il y avait aussi l'histoire avec. Je sais pas si tu veux en parler. L'histoire avec. Ouais, mais Broly, après, on va peut-être pas forcément en parler parce que c'est un OAV, c'est pas... On va parler du truc divin qui serait... Ouais, mais à ce moment-là, ouais, peut-être après, à ce moment-là. Comme on avait vu sur... Ouais, mais à ce moment-là, on fera peut-être plus ça dans Dragon Ball Z, un débat sur Dragon Ball Z, parce que là, ça touche plus... Et donc, chaque enfant, puisqu'en fait, les Saiyans sont un petit peuple de conquérants, de personnes, de guerriers de l'espace... est trop faible. Oui, oui, il est faible. Mais bon, c'est un roi qui gouverne, en fait. Les sbires qu'il a, c'est les guerriers Saiyans. Et bon, c'est vrai que lui, en fait, il donne les ordres. Et c'est surtout les Saiyans qui vont faire les dégâts un peu partout dans le monde, dans l'univers numéro 7. Mais au final, donc, le peuple des Saiyans, donc un peuple, bien sûr, de conquérants. Un peuple qui fait, bien sûr, des gros dégâts partout. Et qui suffirait de un jour pour, en fait, contrôler une planète à eux seuls. Donc, c'est vraiment un peuple qui est vraiment redouté partout dans l'univers, que ce soit par... par les dieux, les Kaioshin, trucs comme ça. Ils sont vraiment redoutés un peu par eux aussi. Au final, nous apprenons par ce biais que chaque petit nourrisson qui vient de naître attend environ quelques semaines avant d'être envoyé sur des planètes de l'univers numéro 7. Et lorsque ces enfants grandissent, ils vont bien sûr devoir conquérir la planète en tant que nourrisson. Et normalement, d'après ce que dit d'ailleurs Raditz au début de Dragon Ball Z, un nourrisson Saiyan pourrait largement contrôler une planète. Donc voilà. Oui. Bardock est largement plus puissant que le roi Vegeta. De toute façon, surtout qu'il est en Super Saiyajin maintenant. Donc la mort de Bardock n'a jamais été au final dévoilée. On n'a jamais su la mort de Bardock. On nous a laissé croire à une mort avec la planète Vegeta, mais au final, bon, on voit qu'il part sur un coucher de soleil lorsqu'il a vaincu Shield. Donc peut-être de... J'allais dire vieillesse aussi, mais... De vieillesse, je sais pas, parce que les Saiyans ne vieillissent pas, donc on ne sait pas du tout. Peut-être qu'il s'est fait tuer par un autre ancêtre de Freezer après, mais on ne sait pas du tout. Peut-être qu'ils nous feront montrer. Ouais, peut-être un jour. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment tout ce qui se clôture, la planète Vegeta, le peuple des Saiyans. Nous avons à côté Guinée, qui meurt bien sûr là-bas en tant que mère de Goku. Et nous avons Bardock qui, on va dire, disparaît, devient le tout premier Super Saiyajin. D'ailleurs, il y avait un petit bémol, c'était que dans Jacko The Galactic Patrolman, Goku est envoyé à l'âge de 4 ans sur la Terre. Et dans l'anime, il est envoyé lorsqu'il est nourrisson, donc après, choisissez l'histoire que vous préférez, il n'y en a pas 40. De la coéquipière de Bardock, au final beaucoup croient que c'était la mère de Goku.
mais au final, bah, elle est pas. Pour moi, elle est pas super bien mise en avant. Enfin, c'est surtout le gros et le mec avec les cheveux en pique qui sont beaucoup plus mis en avant. Après, ils ont franchement la même puissance. L'un. Enfin, j'entends par là qu'en fait, que ce soit la coéquipière de Bardock ou bien ses amis ont quasiment toutes et toutes la même puissance parce qu'en fait, ils se battent pas en tant que Saiyan, ils se battent en tant que gorille géant. Puisque ça, de toute façon, c'est la puissance des Saiyans qui viennent là. Donc. Voilà, elle est intéressante, mais je pense qu'ils auraient pu peut-être mieux l'exploiter sur un OAV, pourquoi pas plus long. Mais c'est vrai que l'OAV était surtout là pour nous faire découvrir le père de Goku. De Goku et puis voir comment il est devenu aussi Ouais. Super Saiyan. Ouais, bah voilà, enfin, après ça, c'est un OAV qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Il y a 1 an, je sais plus. Peut-être 2 ans, je Ouais. pense. Mais voilà. En tout cas, on avait vu le premier OAV où il y avait un peu toute cette histoire. Après, on avait vu Badak qui disparaissait dans l'explosion de la planète Vegeta. Et au final, un autre OAV sorti donc ouais, il y a 1 2 ans qui nous disait qu'il avait en fait survécu et qu'il avait rencontré Shield, donc l'ancêtre de Frieza. Et donc, bah, que via ce combat, il est devenu le tout premier Super Saiyajin au monde. Enfin, de même de l'univers numéro 7. Ce qui est intéressant, c'est que même Shield, avant de mourir, en fait, il va prendre la main en fait bah, de ses soldats et il va dire si un jour vous entendez parler d'un Saiyan aux Avec cheveux les cheveux dorés, dorés, bah ne vous approchez pas. ouais, ne vous approchez pas, méfiez-vous de lui et tout. Donc c'est un peu là où on apprend. En fait, on voit que ce qu'a dit Shield va traverser les générations et ça même arrive aux oreilles de Frieza. Donc c'est vraiment intéressant parce que même Frieza a un peu peur de ça lorsque Goku devient un Super Saiyan devant lui. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Je trouve que l'OAV était vraiment plutôt bien foutu. Donc Goku est envoyé donc direction la Terre et pourquoi pas en AV de la mère de Goku pour Dragon Ball Super. De toute façon Dragon Ball Super c'est prévu pour 100 épisodes, peut-être plus si ça marche bien je pense. Mais de toute façon Guinée je pense pas qu'on. Peut-être qu'on la verra, peut-être qu'il y aura un clin d'œil. Il y a. Voilà, ça reste vraiment à voir. Mais Bardock ne peut pas mourir de Ouais, vieillesse, les si, siennes vieillit vieillit lentement. lentement, ouais, il vieillit, ouais, ce qu'on a dit juste avant. Peut-être que justement il est mort d'une autre façon et Ouais, qu'on il va vieillit aller lentement et vite. puis même il est quasiment dit à un moment que les siennes vieillissent quasiment presque plus puisqu'on voit que. On voit dans Dragon Ball GT, malheureusement, que. On voit l'âge de Bulma et l'âge de Vegeta, on dirait que Vegeta garde sa jeunesse alors qu'au final. Bah. On va dire qu'en Bulma environ 60 ans, on dirait que Vegeta en fait 30 quoi. Donc ouais, il vieillit très 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 lentement, voire ne même pas vieillir. Donc à ce moment-là, on a donc bah, tout le peuple et la race des Saiyans qui vont disparaître. Et au final, on va en avoir bah, officiellement, je dis bien officiellement dans la vraie histoire, 4 qui survivent. Et on en a 3 qui apparaissent via des OAV. C'est qui les 4 officieux? Les 4 officiaux, les 4 officiels. Alors, il y a des Super Saiyajin, on dit. Ouais. Ouais. Enfin, Alors, attends. des Saiyans, quoi. Les Saiyans qui ont survécu, qui étaient. Alors, attends, que je dise pas de Qui conneries parce ont que. survécu à Tout le l'explosion, monde n'a quoi. pas. Alors, attends. Il y Mais ils a. sont connus, enfin, c'est. Oui, il y a Raditz. Ouais. D'abord. Ouais. Vegeta. C'est. Ouais, c'est. Voilà, et Goku. Et Goku. Voilà, Voilà. c'est bien ce que je voulais dire. J'ai dit que c'était une question piège parce que la dernière fois, il m'avait fait un truc. Donc, Goku. Raditz, qui est donc bah, aussi le frère de Goku, qui était donc le frère aîné de Goku et le premier enfant de Guinée et de Badak, qui lui était sur une planète avec le prince Vegeta, donc le fils du roi Vegeta sur une autre planète, en train de bah, tous les deux, je crois qu'ils avaient je crois 8 ans, ils ont pris une planète d'assaut comme ça à eux deux, et Nappa lui était sur une autre planète avec bah, ses cheveux longs d'ailleurs. Chose bizarre d'ailleurs, c'est que Nappa a des cheveux. A des cheveux alors qu'à la base on nous dit que si un Saiyan se coupe les cheveux bah, il repousse immédiatement Et après il est chaud donc ouais mais après il chauffe donc on ne sait pas s'il s'est pris une explosion ou que ça a cramé mais c'est vraiment bizarre par contre après je suis du soleil ouais voilà après vous allez me dire ouais mais qu'est-ce que tu dis parce qu'au final Gohan ses cheveux poussent Gohan n'est pas un Saiyan Gohan est un 50% terrien 50% Saiyan donc voilà Goku Vegeta Raditz il a l'autre crâne chauve crâne rasé, ouais, Nappa. Et donc, Goku est donc envoyé vers la planète Terre. J'ai plus parlé de ça, puisque Navan n'a pas lu le livre, et après, je suis pas. Jacques Galactic Patrolman.
Donc on apprend que dans l'univers numéro 7, comme dans l'univers numéro 6 et 8 je crois, nous avons la police galactique, ce sont donc des personnes qui interviennent sur des planètes afin de sauver en fait des catastrophes en fait. Et donc nous avons Jaco qui est donc en fait un des policiers galactiques qui va donc être envoyé lui vers la planète Terre afin de stopper une menace extraterrestre qui va donc arriver sur Terre afin de détruire la planète. Jaco va donc malheureusement se cogner contre la Lune et arriver en catastrophe sur la Terre. Et au final, nous apprenons vraiment qu'il souhaite continuer son voyage et se placer vraiment à un endroit précis de la Terre afin de pouvoir stopper ce danger qui arrive. On apprend que ce danger extraterrestre qui va donc détruire la Terre est nul autre que Son Goku. Et au final, voilà, nous avons notre cher petit Jaco, qu'on retrouve dans Fukatsu no F et dans Dragon Ball Super, va donc faire la rencontre d'un vieux savant fou qui a perdu sa femme, en fait, il y a des années de cela. Et lui, il souhaite créer une machine à remonter dans le temps afin de pouvoir sauver sa femme, bien sûr, de l'explosion. Je l'ai acheté, il est excellent, je vous le conseille. Je le conseille Nava aussi, je te le conseille. Mais je lui prêterai à Nava, je lui prêterai. Si, ouais, je veux pas. Et donc, au final, voilà, c'est vraiment ce qui se passe au point de vue de l'histoire. Donc, Jaco, au début, a aussi un objet sur lequel il peut appuyer, qui peut détruire l'espèce humaine en quelques minutes, s'il n'arrive pas à stopper Son Goku. Donc Son Goku lui part de la planète Vegeta, donc il ne va pas arriver maintenant puisque bon c'est quand même c'est dans le même univers mais quand même assez éloigné. De toute façon vous avez la preuve lorsque Vegeta et Nappa ou même Raditz, bon, pas Raditz parce que c'est pas dit mais Nappa et Vegeta quittent l'univers, enfin leur planète pour aller sur Terre, ils mettent un an, ce qui laisse d'ailleurs Yamcha Tenchen un an pour s'entraîner. Mais voilà, ça part vraiment sur ça, et il a un objet sur lequel il doit appuyer qui va en fait dégager une sorte de poison pour détruire toute l'espèce humaine et à la fois Goku. D'ailleurs lui il expliquait qu'il ne mourrait même pas de ce poison, donc c'est plutôt assez cheat. Et au final, il vient un peu avec cet homme qui est Omori je crois. Ouais, B10, je sais que t'as lu le manga, donc je crois que c'est ça, il s'appelle Omori, un truc comme ça, je crois. Et donc voilà, il va vraiment rencontrer cette personne, faire un peu des recherches pour savoir comment réparer le vaisseau spatial de Jaco. Et au final, ils vont devoir trouver un métal qui est vraiment très très rare sur Terre, qui vaut des millions de zénis. Et en allant bien sûr à la capitale, ils vont rencontrer une femme qui s'avérerait être la sœur aînée de Bulma, qui elle bosse et est la fille bien sûr de la famille la plus richissime du monde, la Corporation. Et bien sûr, grâce à ça, elle va proposer à Jaco de lui en gros offrir ce métal qui est quasiment impossible à acheter parce que c'est un truc qui est juste super super cher. Pouvoir un fan service. Non, c'est pas du tout un fan service. Pour moi, je dirais que ce n'est pas un fan service justement parce que bon, je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai pu voir, justement, ça permet d'approfondir l'histoire. Donc c'est pas vraiment du fan service. Ouais. Peut-être le seul fan service que vous verrez. Si on peut appeler ça un fan service, c'est peut-être de voir Goku à 4 ans qui tue une Saiyan et Raditz et Vegeta petit. C'est peut-être le seul fan service on peut l'appeler comme ça quoi. Mais même la mère de Goku, Guinée, ce n'est pas un fan service. C'est un truc qu'il fallait exploiter un jour, ce n'est pas du tout un fan service. Puisque même les fans s'en battaient plus ou moins les steaks de voir la mère de Goku un jour ou pas. Donc au final, Jaco va donc vouloir rencontrer la sœur aînée de Bulma, mais aussi Omori. Et ils vont commencer à discuter un peu sur ça. Et au final, c'est un truc qui est vraiment tout au con. Mais Jaco va en fait savoir à quelle heure et quel jour arrive Goku sur la Terre. Il va commencer un peu à surveiller le ciel. Et il y a vraiment la sœur de Bulma qui va donc arriver et le déranger environ 10 secondes. Et vers la capsule qui a donc pas déchiré le ciel. Et donc, il fait ouais. Il se retourne vers la sœur de Bulma, il fait ouais mais imagine là tu m'aurais dérangé et pile à ce moment là la capsule serait passée dans le ciel. Ça t'es con parce que la Terre peut être détruite dans quelques jours et à cause de ça je ne pourrais pas voir en fait ce monstre arriver quoi. Au final voilà c'est ça, c'est Jaco loupe l'arrivée de Goku, donc Goku arrive bel et bien sur Terre sain et sauf. Et au final ils vont finir par aussi réparer la radio de Jaco et aussi son vaisseau. Ils vont donc repartir lui de là où il vient, le policier galactique. Et on voit d'ailleurs Bulma petite qui a environ 3-4 ans, qui est une génie mais juste phénoménale. Elle crée un espèce de pistolet laser, elle tire et ça fait un gros trou dans l'océan. Mais bon, on voit déjà que Bulma était juste super intelligente parce que c'est quand même Bulma qui a créé plus ou moins le dragon radar.
Donc voilà, Bulma ne sort pas son intelligence de nulle part. Donc voilà, c'est vraiment très très bon, on explique vraiment les origines de Dragon Ball, mais aussi de l'arrivée de Goku et que quelqu'un était présent sur Terre pour stopper l'arrivée de Goku et de pouvoir tuer Goku. Et au final, bah, Goku arrive bel et bien sur Terre via la capsule spéciale et il va être récupéré par un monsieur. Il s'appelle comment ce monsieur? Alors, parce que je sais plus. Ah, si, bah, si, c'est son. Non, c'est son. Il a regardé Dragon Ball il y a un bail, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est son grand-père. Comment s'appelle-t-il? Sangohan. Sangohan, parfait. Donc Sangohan qui va donc retrouver plus ou moins Goku au milieu d'une forêt de bambou. Et au final, Gohan va expliquer, bien sûr. Donc Gohan, pas le fils de Goku, mais en fait, le grand-père adoptif de Goku. C'est là qu'après Goku va en fait, lorsqu'il aura son premier enfant, donner le nom de son grand-père à son fils. Et bien sûr, nous avons Gohan qui explique à Muten Roshi, lorsqu'ils étaient bah, encore jeunes à cette époque-là, il explique, j'ai trouvé un garçon qui est féroce, qui est vraiment nourrisson, mais qui a une puissance phénoménale. Je sais pas s'il est terrien, mais il y a un truc qui est vraiment bizarre. Je vais donc l'aider un peu à grandir et tout. Et en donnant à manger à Goku, en l'apprenant à écrire, à lire ou encore à toutes les choses de la vie, Goku va vraiment limite foutre une tollée à son grand-père. Donc il va trouver en fait une quelque chose de bestial en fait chez Goku, notamment cette queue de singe qui ne va pas vraiment le déranger à première vue. Je n'ai jamais vu Dragon Ball, donc j'apprends des choses. Ah bah, pas de soucis, c'est nickel. Donc en fait, Gohan va vraiment trouver Goku petit, hein, qui est vraiment nourrisson, comme vous voyez tout en bas à gauche du layout. Et il va vraiment trouver un Goku, ce n'est pas un enfant banal, il est super féroce, il tabasse limite son grand-père. Il fait maintenant en plus ce garçon a une queue de singe. Et en partant un jour se promener, se faire une balade et récolter, je crois, des plantes médicales dans une montagne, il transporte tout le temps Goku dans une sorte de panier en osier, ouais, si on peut dire ça comme ça. Poche, ouais, une espèce de gros sac à dos. Ouais, de sac à dos. On va l'appeler ça comme ça. Et Goku va tomber en fait bah, de ce sac à dos et tomber en fait de la montagne. Et Goku va se frapper violemment la tête au sol. Et grâce à cet impact plus ou moins violent, Goku perd voilà, toute trace de méchanceté, de nervosité et devient un enfant tout à fait normal. Et en fait, il va grandir avec son grand-père, voilà, l'aider dans les tâches ménagères, se couper du bois, s'entraîner, trucs comme ça. Et Gohan, lui qui était quand même un grand expert d'arts martiaux, va apprendre quelque chose à Goku au point de vue bah, des techniques de combat. Mais une nuit, notre cher Gohan va donc perdre la vie. À cause de qui, à cause de quoi, à cause de comment? Tu te souviens plus? Goku va se lever pour refaire pipi pendant la nuit. Il va donc regarder la pleine lune. Et va donc se transformer en Gori géant, qui est donc le pouvoir, on va dire, d'origine des Saiyans. Il va perdre le contrôle et tuer accidentellement son grand-père. Non, bah, ça se passe vraiment comme ça. Donc là, il a vraiment, on va dire, bah, le deuxième Goku en bas à gauche du layout. Il est vraiment comme ça. Et là, il perd le contrôle, bien sûr, sur ses pouvoirs d'origine, sur sa, on va dire, ses origines de Saiyan, et tuer son grand-père, bien sûr, Gohan. Une petite question dans les Ultimate Budokai Tenkaichi, quand Freezer attaque la planète Vegeta, Vegeta est adulte. Qu'en pensez-vous? Il n'est pas du tout adulte, à moins que ce soit une erreur, j'en parle plus beaucoup. Mais non, il n'est pas adulte puisqu'il est, il a l'âge de Goku, donc il, non, il est plus âgé que Goku. Il doit avoir environ 2 ans, et lui il est déjà sur une autre planète en train de bah, niquer la planète avec Raditz. Donc soit c'est une erreur, mais non. Quand Freezer a attaqué la planète Vegeta, Vegeta était le prince Vegeta, mais il avait que 2 ans. Il était très doué au combat, c'était même bah, d'ailleurs l'expert, c'était la personne super douée au point de vue des Saiyans. Mais non, il n'a pas du tout été adulte lorsque Freezer a détruit la planète Vegeta. Bah ouais, justement. Enfin, peut-être pas 2 ans, il était plus genre une dizaine d'années, entre ça. Je sais pas. Enfin, il avait plus la tête d'un gamin. Ouais. Mais donc c'est à peu près tout ce qui se passe au point de vue du début de Dragon Ball. Donc Goku qui se fait adopter par Gohan, un expert en arts martiaux, qui est donc un grand ami de Muten Roshi. Muten Roshi, je vais l'appeler comme ça, c'est Tortue Génial. Et donc voilà, au final, il va mourir. Et Goku va se réveiller un matin et il ne retrouvera pas forcément le corps de son grand-père. C'est le jeu qui a dû faire une erreur, ouais, je pense. Donc au final voilà, il retrouve un peu bah, ce Goku, enfin ce Gohan qui a un peu disparu, il ne sait pas du tout où est passé son grand-père. Mais en rentrant chez son grand-père, il trouve la Dragon Ball à 4 étoiles, qui a donc lancé bah, tout Dragon Ball.
Et en fait, il va vraiment, chaque chose qu'il accomplira dans sa vie, il va vraiment, on va dire, prier son grand-père via la Dragon Ball à 4 étoiles, puisqu'il pense vraiment que son grand-père s'est plus ou moins réincarné en Dragon Ball à 4ème étoile. Et même à plusieurs reprises dans Dragon Ball, quand il partira à la recherche des Dragon Ball, il dira: je t'ai retrouvé grand-père, en parlant de la Dragon Ball. Donc voilà. Et nous avons Goku qui va donc rencontrer le premier personnage principal, bien sûr, de l'œuvre, qui est donc Bulma. Il y a un petit stress à chaque fois. Et donc Bulma qui va donc arriver en voiture vers Goku. Avez-vous les versions parodies de Dragon Ball? Je pense en acheter une bientôt, très bientôt. Je vais montrer à Nava l'autre jour quand elle s'en brûle. Ouais, c'était ouais. Le grand livre. Ouais. Mais je vais les acheter bientôt, je pense que je présenterai. C'est quand Satan apparaît. Et les versions parodies. Moi, je sais pas, je les ai pas lues, donc je pourrais pas te dire. Je pourrais pas du tout te dire, mon ami. Je ne pourrais pas du tout te dire. Donc, au final, voilà. Goku rencontre Bulma, qui a donc elle aussi grandi, c'est Qui lui donc. tire dessus. Qui lui tire dessus aussi. Qui est donc la femme qui a donc rencontré, étant jeune, Jaco. Et par ce biais, elle va donc voir Goku, elle va donc lui foncer dessus en voiture. Et Goku se lève et fait: waouh, tu vas te calmer direct. Par contre, il va donc commencer à frapper sur sa voiture. Enfin, c'est quoi ce monstre métallique et tout? Il va commencer à frapper sur la voiture, parce que donc Goku est un enfant des montagnes qui a grandi avec Gohan, loin de la civilisation, de la capitale. Et donc, bien sûr, il va pas comprendre cette technologie qui est donc la voiture. Et comme a dit Nova, Bulma va le canarder. Et pam, voilà, tout à fait. Et donc, Goku est complètement résistant aux balles. Je te conseille pour délirer. Ouais, mais je compte pas le faire, je compte pas le faire. Et donc, il va vraiment faire ça, tirer sur Goku, et Goku va juste s'en foutre complètement. Bah oui, ça rebondit à Ouais, moitié. il prend les impacts, mais bon, ça, la peau des Non, non, scènes est juste c'est super genre, dure. Ouais. il fait. Donc ça fait mal, mais ça tue pas, quoi. Par rapport à un humain Ça picote. de base. Voilà. Donc au final, il va plus ou moins détruire la voiture, bien sûr, de Bulma. Et donc, pour s'excuser envers Bulma, il va donc l'accompagner chez son grand-père, donc chez Gohan. Et en arrivant à faire donc, excusez-moi, excuse-moi, grand-père, je te ramène donc ce que tu appelles une femme, une fille, je crois. Et donc, il va donc prier. Et Bulma va faire: oh, mais attends, c'est une Dragon Ball et tout. Et Goku va faire: oh, tu touches pas, grand-père, je vais calmer ta joie directement. Et au final, elle fait: grand-père et tout. Elle fait: mais comment ça, c'est pas un grand-père, c'est des Dragon Ball. Et elle va montrer deux autres Dragon Ball à Goku. Et Goku va faire: oh, mais grand-père est partout et tout, c'est phénoménal. Donc, bon, Goku qui est vraiment un peu stupide, un peu comme Gohan étant petit ou même comme étant Goten. Les scènes sont, on va dire, plutôt très très naïfs. Et après, bon, la puissance augmente considérablement. Ils deviennent très très matures, le Super Saiyajin 2, selon moi. Tellement badass. Et donc, au final, ils vont partir à la recherche des Dragon Ball, qui sont donc 7 boules. Attends, je vais t'expliquer. Vas-y, explique tout. Hein? C'est quoi Dragon Ball? Ah c'est 7 boules de cristal avec plusieurs étoiles dessus qui du coup font les nombres de 1 à 7. Voilà. Jusque là, vous suivez. Et une fois qu'on réunit les 7 boules de cristal, et le dieu dragon Shenron arrive et peut exaucer un vœu, donc Valivalou. dont faire apparaître des clauses. Donc voilà. Donc à la base, ils vont donc vraiment partir pour cela, partir à la recherche des Dragon Ball. Pour, si je me rappelle bien, à la base, c'était trouver un petit ami à Bulma. Normalement, c'était la première mission plutôt Et con. après, on Mais rencontre pas ouais, il faut vraiment savoir qu'à la base, Dragon Ball est un univers et un manga juste rigolo. Il y allait pas avoir un univers super sérieux où ouais. avec des Et objectifs Akira, planétaires. voilà, Akira Toriyama ne savait pas du tout qu'il allait avoir ça. Faites un Kamehameha. Pas de soucis, on te fait ça tout à l'heure si tu veux. Nava fera Gohan, je ferai Goku, on te refera le Kamehameha ultime contre Cell. Je le mettrai derrière Nava et on fera ça ensemble si tu veux. Nava passe le bug Dragon Ball, c'est un peu ça. C'est pour ça que je Mais. suis stressé. Hein. Et donc au final, en fait, bon, moi je reconnais l'univers par cœur, puisque j'ai fini d'acheter tous les Perfect Edition au point de vue de Dragon Ball, et là j'attends Dragon Ball Z, donc c'est encore frais dans la Alors que tête. moi, c'était il y a longtemps. Voilà, on peut dire C'est ça comme mieux. ça. Et donc il part donc à la recherche des 7 Dragon Ball dans le monde entier, grâce au Dragon Radar que Bulma a créé, qui est donc une technologie, on va dire, futuriste, qui permet donc plus ou moins de retrouver les Dragon Ball dans le monde entier. Et donc voilà, il part vraiment à la recherche de ça. On découvre vraiment, en fait, dans l'univers Dragon Ball, quelque chose d'intéressant. C'est un mélange, je sais pas si tu vois ça comme moi, un mélange de passé et de futur.
En fait, on va voir des dinosaures. Oui, on va voir des dinosaures. Ouais. Des dinosaures et des voitures volantes. Donc c'est vrai que c'est pas deux choses qui collent ensemble. Et même des capsules corp, qui sont donc des inventions qui, grâce à une petite capsule, pour faire apparaître une maison. Une maison. Un robot. Une tour Eiffel. Voilà, ça pèse. Donc voilà. Voilà. Donc Bulma, en plus c'est ça. Bulma va faire apparaître donc une maison où ils vont donc passer leur première nuit ensemble. Et Goku va découvrir, si tu te rappelles bien, voilà. le vagin d'une femme. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah mais c'est drôle, c'est tout plat. Ah voilà. donc Goku dit. Ça, j'en souviens pas. Voilà, c'est à mon truc préféré ça. Et donc au final, Goku a passé sa première nuit avec Bulma, donc Bulma qui a environ 16 ans, bon, et Goku... moins peut-être. Ouais, ah, peut-être bien, ouais. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'elle est peut-être encore mineure, et au final, Goku, lui, écarte les jambes de Bulma et fait « Quand j'ai du mal à dormir, il y a une chose que j'adore faire, c'est m'allonger sur les boules de grand-père, c'est tout doux, et je dors juste super bien avec quand, en gros, les boules de grand-père sont sur ma nuque, en gros, et ça, c'est bien. » Et il veut faire ça avec Bulma, et en fait, il voit qu'il n'y a complètement rien. Il se retourne, il fait « Bah attends, il y a un blême !» Et donc, il est en train de frapper donc, sur le pubis de Bulma, et il se rend compte qu'au final, il n'y a pas de pénis, en gros, chez les femmes, et que, bien sûr, notre chère petite Bulma a un vagin, donc... Gohan avait un peu expliqué ça à Goku, mais qu'au final il n'avait jamais vu de fille de ses propres yeux. Donc voilà, Goku découvre enfin ce que c'est qu'une vraie femme et ce que c'est aussi que Bulma. Donc non, Vegeta n'est pas le premier à avoir, on va dire, vu ça chez Bulma. C'était Goku le premier, car Goku lui retire sa culotte pour constater ça. Et après il y avait Tortue Jaune. Voilà, culotte qu'il ne rendra pas. En quittant la maison, le matin, il rencontre... je sais plus ton nom. La Tortue Millénaire. Je sais plus ton nom, je suis désolé. Je suis désolé, pauvre Tortue. Tortue Millénaire. C'est Tsuru... Celle qui est avec Tortue Jaune. Ouais, Tsuru Sulukulu. Je sais plus comment tu t'appelles. Désolé, mon grand. Et au final, nous avons donc... Voilà, bien sûr, le truc qui commence où nous avons la Tortue qui fait... Oh là là, je me suis éloigné de chez moi, c'est la catastrophe. Laisse-moi là, jeune garçon, laisse-moi là. Et Goku fait ouais, bah attends, moi je stoppe la quête de Dragon Ball, je ramène la tortue là où elle habite. Et là, un espèce d'ours géant va apparaître, un espèce de, on va dire, de brigand des montagnes qui va donc vouloir tuer Goku. Et Goku va prendre le risque d'attaquer cette grande bestiole. C'est quoi? C'est un ours avec une épée, une armure? Qui va donc attaquer Goku et Bulma va faire « Oh non mais t'es fou, fais pas ça et tout, tu résistes peut-être à des balles mais tu résistes pas à une brute comme lui. » Et donc en fait Goku va juste l'éclater en un coup de poing. Et donc Goku va partir ramener cette tortue millénaire à un homme qui s'appelle donc Muten Roshi, donc tortue géniale, à Kame House à l'aide de Bulma. Et donc nous avons une tortue géniale qui lui a un collier. Et au bout de ce collier nous avons une Dragon Ball. Où bien sûr Bulma va faire « Oh il nous faut absolument cette quatrième Dragon Ball » puisque ils en ont déjà trois en comptant ça la quatrième étoile et les deux que Bulma possédait. Et donc en fait il nous faut absolument cette quatrième Dragon Ball et... Muten Roshi fait waouh, tu veux me piquer ça, va falloir quand même qu'on voit un truc ensemble. Et donc il va dire à Bulma, je te passe un Dragon Ball mais tu me montres ton minou. Il va se passer quoi? Eh bah elle va le faire. Et donc, d'ailleurs je crois qu'il demande la culotte à la base et en fait elle ne sent pas, non, c'est plutôt bête, mais elle ne sent pas que Goku lui avait enlevé sa culotte en dormant. Et donc elle veut lui montrer sa culotte en soulevant, en fait on voit qu'il n'y a complètement rien. Et c'est là qu'on voit qu'il y a Muten Roshi qui est juste complètement pervers, qui va saigner du nez. Et Bulma qui va juste être super choqué, super on va dire vexé aussi par ça. Et l'idée de Bulma est aller les membres à l'émission. Une petite langue que Goku avait gardé les photos des nuits de Bulma et allait les vendre là. Je sais qu'il y avait vu ça dans un OAV Dragon Ball Z où Goku disait à Vegeta pour apporter de l'argent, il faudrait qu'on prenne des photos nues de ta femme et qu'on les vende partout dans la capitale. Et Vegeta d'ailleurs se met en colère. Ma Bulma. Ouais. Et au final, donc c'est à peu près tout ce qui se passe. Il repart donc, là ça va aller vraiment vite parce que les arcs vont vraiment speeder. Ils continuent donc la quête des Dragon Ball dans un désert où ils vont donc là-bas rencontrer un espèce de... Avant ça, il y a un brigand qui terrorise la ville et qui veut se marier avec une fille de 4 ans. Qui veut même forcer la fille de 4 ans à se marier avec lui. Et au final, c'est un espèce de grand ogre qui va donc commencer à se battre contre Goku, parce que Goku trouve ça anormal. Il va donc commencer à se battre contre Goku, et c'est en fait un personnage de l'univers Dragon Ball qui a la capacité de pouvoir en fait se transformer et de fuir un peu
comme il veut. Ouais. Et en fait, vraiment le premier combat. Ouais, c'était enfin, le premier vraiment grand méchant. Ouais, premier méchant peut-être de l'univers de Dragon Ball. Et ce grand méchant s'appelait Oolong, donc le cochon que l'on connaît maintenant, fan de culottes. Et donc voilà, c'est le premier méchant qu'on va donc retrouver, où Bulma va donc plus ou moins le forcer à devenir aussi gentil. Et donc Oolong va vraiment suivre un peu l'univers et la vie aussi de Goku et de Bulma. En continuant, bah bien sûr là, on va dire l'univers et un peu la bataille et la recherche de Dragon Ball, ils vont rencontrer, bien sûr, c'est triste, ils vont, on est trois les amis, mais c'est quoi ce bordel? Oh, faites de la pub. Eh les gars, on est que trois sur le live, on était 10 tout à l'heure. Ok. Je décède moi aussi. On est trois les amis, mais faites de la pub, Gamer TV. B10, mais c'est passé quoi sinon? Peut-être que les gens sont comme Mathieu et qui regardent le match basket. Oh les amis! Tao Pai Pai est nul à chier. L'armée du Rambo Rouge est sécrée par. Tero. Non, c'est Gero, il a fait une faute. Docteur Gero, celui qui crée son 7-18. Et donc au final, nous avons vraiment la suite qui continue. Ils vont donc chercher Dragon Ball. Rencontrer le brigand du désert qui est donc au final. Ok, au revoir. D'accord, bah on t'attend. Ouais, tout est le seul qui est là donc. C'est triste. Et donc au final, ils vont rencontrer le brigand du désert qui est donc. Ouais, mais je suis dedans en fait. Bah voilà, c'est ça. Oh, on va t'attendre. Ouais. Ouais. Mais non, parce qu'il attend, il va avoir la rediff. Donc... Ouais. Yo les copains, je vous avais oublié. Ah bah, c'est gentil. Bah bien Quentin, continue comme ça mon garçon. Donc au final ils vont donc arriver dans le désert, rencontrer le brigand du désert qui est donc Perth et... Oui. Enfin, voilà. Et donc Perth qui va donc être Plume et notre cher petit Yamcha. Yamcha qui va donc avoir en fait une grosse faiblesse qui est donc les femmes. Il n'a jamais pu gérer un seul rendez-vous avec les femmes. Et même foutre une bonne tolée au début à Goku avec le Rosa Fufuken. Donc voilà, c'est vraiment connu comme étant un petit loup, un loup sauvage qui se bat vraiment en imitant des techniques de loup. C'est Ouais, c'est vraiment stylé. Et en voyant Bulma, il va juste craquer et partir, puisqu'en fait il y a des saignements de nez abondants comme n'importe quel manga lorsqu'il voit une femme. Et bizarrement. Et donc après ça, ils vont réussir à trouver 6 Dragon Ball. Et nous avons un démon qui est une sorte de démon, on n'a jamais su ses origines, on ne sait pas si c'est une sorte de Namek, mais nous avons Pilaf qui apparaît avec une Dragon Ball qui va donc enfermer et piéger Oolong, Yamcha, Goku, Perth et Bulma dans un château et utiliser bien sûr les Dragon Ball afin bien sûr de pouvoir invoquer Shenron. Hein? Non. Afin de pouvoir bien sûr invoquer Shenron dans ce cher petit endroit qui est donc une sorte de grand désert. Et Pilaf a donc le vœu de devenir en fait immortel. Donc de pouvoir conquérir bien sûr le monde grâce à ce vœu. Et Goku va en fait les sauver sans vraiment faire exprès. Puisque à la base Oolong et Perth ont grandi à la même école. Putain, tu me fais bader par contre. Non, parce que je regardais les trucs qui étaient partis. Non, parce que je badais, t'étais. Non, parce que je voyais que ça partait dans le rouge, donc j'ai cru que c'était en train de partir. T'as fait de la pub, bah merci à toi, Gamer TV. Je pense que c'était pour le Twitch que t'as allumé, du coup, ça devait faire un truc. Pas possible. Et donc au final, voilà, ils vont trouver Pilaf, qui est donc, on va dire, le premier gros méchant de la série, qui va donc voilà, devenir immortel. Et Perth et Oolong, enfermés dans une pièce avec une toute petite fenêtre, vont donc en fait devoir, bien sûr, donne envie de tout relire, ça reste, je te donne envie mon gars. Et donc au final, Oolong et Perth vont donc devoir s'occuper de voler au moins une Dragon Ball pour la décaler en fait des autres afin que Shenron disparaisse. Ou bien sûr apparaître et faire un autre vœu. Là il y a Oolong qui apparaît et lorsque Pilaf va donc bien sûr vouloir exaucer son vœu, fait le vœu de... Avoir une culotte parce que voilà, c'est les intentions perverses de Oolong qui réapparaissent et une culotte va bien sûr apparaître, donc Pilaf va vraiment être fou de rage. Et lorsque Oolong va pour se faire bien sûr... Et lorsque Oolong va donc
pour se faire tuer, Goku fait l'erreur de, de regarder la lune et va donc détruire bien sûr le château de Pilaf et foutre un foutre une bonne merde en fait et ouais. Plus ou moins écarter le danger Pilaf qui ne reviendra on va dire que dans certains OAV, dans du Fukatsu no F, dans du Battle of God, que je jeter un œil à droite à gauche, dans Dragon Ball GT aussi, mais bon, on le revoit avec Piccolo tout ça, enfin sur la fin ouais. Avec le roi Piccolo. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais Pilaf n'est un méchant oui, qui. Ouais. Dragon Ball après, ouais. Dragon Ball Z, on le voit. En gros, ça part sur ça. Après, au final, bah, les Dragon Ball se redispersent dans le monde entier. Ils se disent qu'au final, bah, Bulma a plus ou moins trouvé l'homme qui pourrait lui plaire, qui est Yamcha. Et que Yamcha, qui était tout le temps timide avec les femmes, bah, aurait peut-être pu trouver une femme qui lui plaisait. Dragon Ball super. Pilaf a grandi dans Dragon Ball Z, mais il est dit qu'il a foiré un vœu et qu'il a rétréci, qu'il a retrouvé sa forme d'enfant. C'est pour ça que dans Dragon Ball, tu vois que l'espèce de chien et la femme qui sont avec Pilaf sont adultes et non, non, dans Battle of God ils sont enfants. Je sais plus, moi j'ai rien. Dans Battle of God, ils sont enfants. Mmh. Dans Fukatsu no F, ils sont enfants. Dans Dragon Ball Super, ils sont enfants. Dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, ils sont adultes. Mais en gros, il est dit qu'ils rétrécissent parce qu'ils ont foiré un vœu avec Shenron encore. Tout le temps, Pilaf, c'est le mec qui a rassemblé maintes et maintes fois des Dragon Ball et qui a tout le temps foiré ses vœux. Bah, ça ôte un peu la petite touche d'humour. Au final, ils se disent qu'au final, les Dragon Ball ne plaît pas tant que ça et qu'au final. Il décide d'aller s'entraîner avec un maître d'arts martiaux qui est donc Muten Roshi. Il va donc bien sûr rencontrer là-bas Krillin, qui est donc on va dire le meilleur ami de Goku. Ils vont donc s'entraîner afin de pouvoir participer bien sûr à un tournoi d'arts martiaux qu'ils vont donc faire. Donc voilà, Tournament Saga. Voilà, cliquez dessus parce que j'ai un lien les amis avec tous les combats et tout ce qui se passe dedans. Donc voilà. On arrive là dans le premier tiers de Dragon Ball, parce que oui, c'est un univers assez rapide, mais qu'au final, ça peut aller assez vite. Donc voilà, il rentre dans l'école de la tortue, donc qui est l'école de Muten Roshi. Il va donc rencontrer bien sûr Krillin, où ils vont donc bien sûr porter des briques de lait et tout. Ils vont donc commencer à participer au premier Tenkenchi Budokai, qui est donc le tournoi d'arts martiaux. Et là, on va voir aussi que Yamcha revient, qui va donc participer au tournoi avec Krillin, avec Goku. Et nous avons une première finale qui va donc apparaître, qui sera Jackie Chun, qui est donc en fait Muten Roshi déguisé, contre Goku. Donc Goku va d'ailleurs perdre contre Muten Roshi. Putain de combat quand même. Ouais, putain de combat super classe où y a vraiment le Kamehameha qui apparaît chez Goku pour la première fois. Au final, ils repartent en direction des Dragon Ball. Cette fois-ci, non pas contre Pilaf, mais contre l'armée du Ruban Rouge. Qui est donc eux vraiment dispersé un peu partout avec le commandant Blue, le commandant. Voilà, un peu de toutes les couleurs. Il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le black, il y a le bleu. Et voilà. Il y a vraiment tout ça. Ils vont plus ou moins, je crois. Alors là, attention. Ils ne vont pas retrouver Dragon Ball. C'est triste. Je sais plus si après le ruban rouge ils font un vœu ou pas. J'aime cette musique. Red Baron, Général Blue. Bob. Ah oui, Commander Red Saga. Bien sûr. Baba Saga, ouais. C'est avec les morts, là. Ouais, et donc ils vont bien sûr participer. En premier temps, à la guerre contre bien sûr le Ruban Rouge, qui est donc une organisation qui souhaite plus ou moins régner sur le monde eux aussi. Où on va aussi découvrir Tao Pai Pai, qui est donc le plus grand assassin du monde, le plus grand tueur, comme vient de le dire Nava, qui va donc vouloir tuer Goku. Goku qui va donc se faire plus ou moins tuer d'ailleurs par Tao Pai Pai, mais qui va en fait résister d'une façon plutôt extraordinaire. Et qui va donc monter une tour qui est très très rare, qui est donc la tour de Karin, afin de pouvoir boire une eau bénite, qui est donc en fait tout simplement une eau banale, où en fait c'est juste très très simple, ils vont juste courir après Karin. Et c'est ça en ce moment, parce que l'oxygène n'est pas le même en hauteur. Et s'il y a un vœu pour le papa de Oupa, exactement monsieur, oui monsieur, oui monsieur Quentin. Et donc oui, hein. Oui. Oh la tour de Karin, t'as des indiens. Oui. T'as un petit et un papa.
Donc Toppa il tue le papa. Oui, ça je me Et souviens. donc au début, je sais plus ce qu'il voulait faire Goku, peut-être pour son grand-père, je sais plus. Et au final, il dit ouais, bah je vais retrouver Dragon Ball pour ressusciter ton papa. Ah oui, c'est vrai. Et donc au final, bah, c'est un peu ça. Un peu hors sujet, Darko Zenava. Un prochain live avec Ganzaro, oui, il y en aura un Non, sur Fairy non. Tail. Sauf Et sur ouais, mais One Piece pas Bleach maintenant. et One Ouais, One Piece Bleach, pas maintenant. Il y aura Fairy Tail avant, il m'a dit. Très peu encore. Et donc, au final, nous avons bien sûr Batou qui se met un peu en jeu, on va dire, où nous avons aussi Goku qui va battre et plus ou moins tuer, faire passer pour mort Tao Pai Pai, puisqu'il va revenir à la fin de Dragon Ball. Et il va faire un dernier combat, je crois, bah, contre le commandant Blue, qui est donc le blond qui est tout le temps avec des missiles, qui va tuer le Kintohun, qui est donc le nuage magique de Goku, nuage magique qui est. Voilà. Et qui est donc un nuage qui a été donné par le Muten Roshi. Tortue génial, qui est donc un nuage magique qui obéit aux ordres et on peut voler bah, sur le nuage, mais il faut avoir le cœur pur pour voler dessus. Et le commandant Blue va donc détruire bien sûr ce nuage. Et en tombant du ciel, Goku va rencontrer Yajirobe, qui est donc bah, en fait le gros avec son sabre qui sera tout le temps avec Karin après. Qui a donc à l'époque la puissance de Goku, voire même plus puissant que Goku. Et au final, voilà, la guerre du ruban rouge vont finir où Goku va rencontrer plus ou moins Frankenstein, qui est donc le cyborg, le petit clin d'œil. Vraiment se battre contre plein d'ennemis, retrouver les 7 Dragon Ball, ressusciter le père de Oupa. Nouveau tournoi du monde où là, Goku, pour trouver pour trouver la dernière Dragon Ball. C'est tellement long Dragon Ball en fait. Non mais c'est pas, ils font pas le tournoi de Cell. Non, Ils restent on me dans rappelle la ça. base senior. Ouais, et donc pour retrouver la 7e Dragon Ball qui permettra donc de ressusciter le père de Oupa, nous avons le dragon radar qui est donc cassé, la Dragon Ball qui est donc disparue. Et ils se disent, ouais, mais peut-être que la Dragon Ball est tombée dans le ventre d'un monstre, peut-être qu'elle a été bouffée par un dinosaure, par un monstre marin, un truc comme ça. Donc au final, ils vont plus ou moins partir chez la sœur de Muten Roshi, de Tortue Géniale, qui est donc Baba la voyante, qui vit plus ou moins entre la frontière enfer-paradis, et qui va dire, bon voilà, je vous donne et je vous montre la localisation de la dernière Dragon Ball, mais vous allez affronter quatre combattants que j'ai choisis. Il y a un homme chauve-souris, il y a un homme momie, il y a un espèce d'animal, et le quatrième, c'est C'est Sangohan. Sangohan, donc le grand-père de Goku, qui est donc mort. Il y aura donc le combat, bien sûr, Gohan versus Goku, le combat des arts martiaux, où Goku va enfin revoir son grand-père, où il va pleurer. C'est séance juste super émouvante. Puisque c'est vrai que c'est juste super triste de revoir en fait Goku, et on voit un peu la tristesse qu'il avait d'avoir perdu son papa. Game Artie vient de me foutre les boules. La pire mort de Dragon Ball, c'est la mort du nuage magique, écrit là, Bah Tortue Géniale, eux ils servent à rien. Mais oh, c'est triste quand même. Dis pas ça. Deux spectateurs OMG. Ouais, c'est un truc de ouf, hein! On non pèse. mais ça c'est Dragon Ball, fallait parler de. Je t'ai dit, des morts dans le ventre. Oui. Oui, monsieur! Donc, au final, voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Vous participez donc, bien sûr, au nouveau Mec Tenkon invisible. Chauve-souris, mec invisible d'ailleurs, la momie et Diable Man et Gohan. Il y en a 5. Diable Man et Chauve-souris, c'est le même. Non, il y a deux différences. Ça, c'est juste un chauve-souris, c'est celui qui combat Krillin et qui lui perce la crâne. Et après, il a plein de. Parce que tu sais, il Ouais, s'énerve direct ouais. Et après. après, il élimine Krillin et c'est Goku qui s'occupe de lui. Non, justement, Krillin le bat. Non, mais Il je m'en prend le fous de battre, droite, donc c'est après, il met un bandage. Qui a dit ça là? C'est Quentin. Quentin? Mon gars. Mon gars. Bonhomme. Tu vois, je vérifie là. Bon, si je fous, je suis dégoûté. Baba la vente, Momie, Diableman, Gohan, Pilaf. Pilaf? Oui, Pilaf. Ils en mènent. Pour aller faire Dragon Ball. Donc, au final, voilà, c'est un peu tout ce qui se passe au point de vue de ça. Donc, la chauve-souris de Diableman, qui est donc la même personne. Non. Si, mais ils viennent de le dire. Mais non, Diableman, c'est celui qui a un espèce de truc comme ça. Bah, Chauve-souris, il est pas comme ça, le mec de chauve-souris. Si, si, monsieur. Ah non. Merci. Non, je suis sûr. Ouais, moi aussi. Et donc, au final, bien sûr, non, mais quitte pas. Et donc, c'est le mec qui essaie de faire exploser Goku avec le malsain
qui en lui mais peut pas parce qu'il n'a rien de malsain. Voilà, c'est ça. Et ta mère. Regarde, l'autre chauve-souris, il ressemble à Dracula, l'autre mec chauve-souris. Faux! Et donc au final, ils vont donc participer au Novo Tenkanshi Budokai. Ils vont donc bien sûr retrouver l'école de la grue qui accueille donc Shaozu et Tenshin Han contre bien sûr l'école de la tortue qui est donc Krilin, Yamcha et Goku. Où là ça passe un peu en couille, où il y aura une finale d'ailleurs Tenshin Han Goku, où Goku mérite largement la victoire d'ailleurs, et en tombant hors ring, il y a Goku qui, non il y a Tenshin Han qui percute une voiture, ce qui va en fait faire une espèce de rebond qui va à quelques secondes près toucher le sol après Goku, donc Goku va être disqualifié et Tenshin Han va donc remporter la victoire. Après, nous avons bien sûr tout le monde qui fait « Ah là là, le tournoi c'était trop bien et tout, Goku tu es trop trop fort et tout, t'as bien mérité la victoire et pourtant c'est moi qui ai gagné. » C'est d'ailleurs dans ce tournoi-là que Tenshin Han gagne la cicatrice qu'il a sur le torse contre Yamcha, non? Non. C'est pas là? Non, du tout. C'est quand? Parce que la cicatrice qu'il a, c'est avec Tao Pai Pai. C'est Tao Pai Pai? Ouais. C'est le truc qu'on a mis en miniature, sauf que c'est l'image que je te mettais... En pub? Ouais. Le live commence bientôt. Bah en fait vous aviez une image de Tenshin Han Tao Pai Pai. Il y avait une cicatrice faite par la lame de Tao Pai Pai. Parce que Tao Pai Pai Tao Pai Pai a une espèce d'épée à la place de la main. Et il fait ça. Ah oui, à Tenshin c'est vrai. Han. Et donc pour le combat je sais. C'est Plume qui se transforme en tapette. Et après il fait ça. Et au final nous avons bien sûr Krilin qui fait Goku, je vais chercher les affaires, je reviens. Il part, là il y a Krilin qui crie. Et Krilin s'est donc fait tuer par un démon qui va donc être plus ou moins un enfant, un bras droit, un disciple du roi démon Piccolo qui est donc revenu à la vie. Et au final, voilà, il va donc avoir tout l'arc, le roi démon Piccolo, qui va donc lui retrouver lui aussi les Dragon Ball. Donc on voit vraiment pourquoi le manga s'appelle Dragon Ball. Et lui est méchant. Oui, enfin, vraiment méchant. Oui. Il veut contrôler le monde et il va même retrouver les Dragon Ball pour en fait retrouver la jeunesse éternelle, retrouver donc toute sa puissance, rencontrer, on va dire, comment on pourrait appeler ça, le directeur universel, l'espèce de président qui contrôle le monde en fait, et dire ouais bon écoute, tu vas faire un message, tu vas dire en fait qu'au final... J'ai connu Dragon Ball Z avant Dragon Ball Z. J'ai connu Dragon Ball avant Dragon Ball Z. Fais pas ton malin. Et donc au final nous avons... Je viens de me perdre. On a le directeur universel. Oui, et donc il fait un discours pour dire que Piccolo va donc lui succéder. Et il va donc faire en gros bon écoute mon petit chou, petit lapin. Je suis le patron. Donc en fait il va devenir un peu le roi du monde. Et au final, nous avons une petite alliance qui se met en place où Goku va en fait juste foncer tête baissée pour en fait ressusciter plus ou moins chauve-souris et diablement égal différent. À la base, il n'y a que 4 adversaires. Le boss, c'est Diableman. Et c'est l'occasion. Gohan est venu sur Terre pour affronter Goku. Ouais, peut-être bien. Peut-être bien. J'aime plus du tout. Et donc, bouh! Et donc, au final, nous avons vraiment Goku qui fonce tête baissée et donc se faire vraiment. Mais arrêtez de mettre des commentaires! Et Goku commence à combattre contre la défaite de Yamcha, contre la momie, je connais. Oui, moi. Vas-y, viens sur le live, connard! Je t'aime, Quentin. Et donc, au final, nous avons Goku qui fonce tête baissée et donc se faire violer par Piccolo. Qui n'a même pas retrouvé la jeunesse à l'époque. Donc il se fait violer par un Piccolo qui est encore très très faible. Et nous avons une alliance qui se met en place avec Shaozu, Tenshin Han et Muten Roshi qui vont donc eux partir affronter Piccolo avec le Mafuba qui est donc une technique qui permet bien sûr de bloquer une personne ou un esprit dans un autocuisseur de riz. Et c'est une technique qui avait enfermé le roi démon Piccolo il y a des centaines, des milliers d'années. Et l'autocuisseur a donc une fissure, donc ça a permis bien sûr à ce que Piccolo sorte bien sûr de cet autocuisseur. Et donc, on apprend que la personne qui avait scellé Piccolo dans l'autocuisseur il y a des centaines d'années, ta gueule. petite bite va. En plus, sur Skype, il m'a dit est-ce qu'on parlera de bite? Je lui ai dit non, il m'a dit oh. Et donc, au final,
On apprend qu'en fait la personne ayant bloqué Piccolo dans l'autocuisseur il y a des milliers d'années était enfin des centaines plutôt d'années était le sensei de Muten Roshi et de Gohan. Et au final, le Mafuba est une technique puissante, mais on doit vraiment sacrifier sa vie pour faire ça. Voilà à peu près ce qui se passe au final. Nous avons Muten Roshi qui va donc utiliser le Mafuba bien sûr sur Piccolo, louper la technique et Muten Roshi va donc mourir tout comme Krillin. Donc là, Shaozu lui va paniquer. Je crois que Shaozu ne meurt pas. Je pense pas. Il ne meurt pas. Ah, quoique. Si, Non. Non. Si ou non, je me souviens plus. Si. C'est possible, hein. Je crois qu'il meurt. Tais-toi. Please, Quentin. BOUM! BOUM! Gamer non, TV. Fais-toi plaise. Fais-toi plaise, Quentin. Ah, j'avais compris. Tais-toi, please. Fais-toi place, Quentin, mais fermez vos gueules. On arrête le live tout de suite. Regarde, je crois qu'il meurt. Shaozu. Et donc, au final, Goku va lui donc remonter à la tour de Karin, où il va donc, bien sûr, cette fois-ci, avoir, en fait, et rencontrer la vraie eau bénite, qui est donc un poison super puissant. Où plusieurs personnes ont bu ce poison et sont mortes sur le coup. Et en fait, là, c'est un poison qui peut, si on survit, multiplier les puissances, voire les décupler. Et Goku va en fait prendre le risque, bien sûr, de boire ceci au risque de mourir. De toute façon, il n'y a vraiment plus trop de choix. Et Tenshin Han, lui, va donc partir en direction de Piccolo pour utiliser le Mafuba qu'il a lui aussi appris entre temps pour enfermer Piccolo dans, bien sûr, cette technique. Et ils se rendent compte qu'au final, il va un peu provoquer Piccolo et faire « Alors Piccolo, ton dernier moment est arrivé !» Et avant de sauter en fait de l'espèce d'avion, il voit qu'en fait son autocuisseur est en fait fissuré, il va dire « Bon bah je suis dans la merde !» Et en fait Goku lui va résister en fait au poison, va revenir avec les forces décuplées et attaquer bien sûr le roi démon Piccolo en utilisant quelle technique pour le tuer déjà? Goku. Oui. Il fait son vie. Vers le bas là, vie. Il le transfère vie. Et qui la classe vie. Et après on va un gros gorille qui apparaît où Piccolo pendant le combat vraiment bloqué tous ses membres lui crache un œuf vie. Alors, il a plus d'estomac oui mais ça passe en bloquant le bras gauche de Goku, ses deux jambes, Goku va vraiment le plaquer au sol. Il va faire ouais, il y a un bras que tu m'as pas en fait bloqué. Il va faire un Kamehameha qui va donc le propulser en l'air et faire allez. Il va donc transpercer le roi Piccolo. Et le roi Piccolo va faire bien sûr, le roi Piccolo qui est un grand magicien qui en fait a le pouvoir de, on va dire, créer des enfants, des monstres en crachant des œufs. Et donc en crachant l'un des œufs, il va faire naître Piccolo Junior qui lui. Le Piccolo Junior, qui reviendra lors d'un prochain tournoi. Donc on arrive enfin sur la fin du manga. Entre temps, on arrive sur la fin de Dragon Ball Z là. Et sur en tout cas tous ces longs moments, nous avions aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, le roi Gouma, le père en fait de Shishi, qui va donc au. Je me pose les questions, merci, pourquoi bon. Il en boit pas tous les matins avec ses céréales et poison. Il met un coup de. Ok. Ok, j'aime bien les appels comme ça. Il met un coup de poing à Piccolo, essaie de le parer avec deux mains, mais le poing de Goku le transperce. Il fait non. Il fait si si. Il transperce, c'est juste énorme. Je vais juste dire à mon frère que je suis en live parce qu'il m'a appelé. De toute façon, je crois que vous en foutez, on est trois sur live de toute façon. Pleure pas. Et donc, au final, c'est un peu tout ce qui se passe. Il y a, entre guillemets, le premier Kamehameha qui apparaît de la série, qui est donc fait par Muten Roshi, en sauvant le roi Goruma, je crois, qui est donc le père de Shishi. Si. Tu fais, mais c'est quoi cette technique? C'est au tout début alors. Oui, je vais le dire, c'est ce que je viens de dire. Et donc au final, il va sauver bien sûr ce roi qui est donc en fait l'homme des plus riches après la Corp Corporation. Et bien sûr, grâce à ça, nous avons cette femme du roi qui va donc participer au dernier tournoi de Dragon Ball, qui est donc Shishi, qui va donc bien sûr tomber contre Goku d'ailleurs dès le. Ha 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 ha.
Et donc, au final, nous avons Shishi qui va donc affronter Goku et dire: ouais, tu te souviens pas de moi, c'est incroyable. Tu m'as fait une promesse que tu allais m'épouser un jour. Donc, Goku, ce qui est très marrant, c'est qu'il se retourne pour ce tournoi où il est bien sûr adulte. Il se retourne vers Krilin Yamcha. Il fait: ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Et Shishi fait: oui, oui, t'as dit que t'allais m'épouser, alors comment tu peux ne pas me reconnaître? Et Goku se retourne bien sûr vers eux et fait: par contre, c'est quoi épouser et tout? En fait, il a promis un truc où il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc, on voit vraiment Goku a beau avoir mûri entre guillemets, bah, il est vraiment resté un peu un bolos. Et c'est juste très marrant de voir ça en fait chez notre cher petit Goku. Où il va donc affronter Shishi, qui va donc en fait quasiment one shot, pas avec un coup de poing, mais avec un simple mouvement de ki devant et faire voilà. Et Shishi va faire. Elle va partir comme ça. Voilà. Yamcha qui s'est donc qualifié, lui va se battre bien sûr. Ah ouais, il y a un truc vla de ouf avant. Vla de ouf. Ah, Quentin, par contre, ça tu l'as pas dit, hein. Hein, monsieur connaît Dragon Ball. C'est quand je mange ça. Ah, je sais. Et avant le tournoi, Goku a 3 ans pour s'entraîner et va donc partir au sommet de la tour de Karin rencontrer bien sûr ce qu'il croit être. Il fait le tour du monde à pied. Il dit ça après le tournoi de Gohan. What? Mais il fait ça après ça, après Baba machin, vu qu'il a plus de nuages magiques. Nuages magiques. il fait le tour du monde à pied. Et il y a machin, enfin Tortue Génial qui dit: ouais, tu vas t'entraîner en faisant le tour du monde. Et il dit: ouais, je vais utiliser mon nuage magique. Il fait: bah non. Parce que moi, je rappelle qu'il a bu le poison. Et qu'il y a. Qui a Karine, elle fait: ah là là, je vais te donner ça. Et t'as un Kinto Un géant qui apparaît à côté de la tour. Et elle fait: tiens, je vais te passer ça et tout. Et il fait: ah là là, mais c'est donc toi qui as donné le Kinto Un. C'est donc moi. C'est donc toi qui as donné le Kinto Un à Maître Muten Roshi. À faire: oui, oui, lorsqu'il s'entraînait avec moi et qu'il était monté un jour ici, bah, je vais donner le Kinto Un. Et faire: prends le Kinto Un et la taille que tu veux. Il va donc monter sur un gros Kinto Un, arracher un bout de Kinto Un. C'est un nouveau Kinto Un. Il va faire: allez, fonce! Et là, là, il va foncer vers le roi Piccolo, niquer le roi Piccolo grâce au nouveau Kinto Un. Oui. Mais et donc après. Après Baba Saga, il fait nuage magique et nuage magique. Mais je suis sûr qu'il doit s'entraîner, il fait un tour du monde et après il devient grand parce qu'il revient pour le tournoi et il fait. On a pas dû suivre le même manga. Et donc après voilà, non, il part à la nage à l'autre bout du monde, le deuxième tournoi. Voilà, il s'entraîne avec Dieu. Et donc il monte au dernier étage de la tour de Karin. Il va donc rencontrer un Namek qui est donc le tout puissant, Dieu en fait. Il va donc s'entraîner avec Dieu et il va surtout s'entraîner en fait avec Popo qui est donc le bras droit de notre cher tout puissant. Popo, notre petit black, ce truc qui est vachement raciste en plus, c'est juste phénoménal. Popo, vous avez qu'à regarder l'anime, il ne fait aucune phrase en français le mec. Aucune phrase en français. Ouais. Et donc au final, Popo qui est plus puissant que Goku, il est plus puissant que Krillin, que Yamcha, parce que c'est quand même lui qui les entraîne à voir l'arrivée des Saiyans d'ailleurs dans Dragon Ball Z. Donc Popo est même super balèze, on n'a jamais vu son potentiel à fond. Si, contre Boo d'ailleurs. Oui, il se fait d'ailleurs violer par Boo. Mais bref, Dragon Ball. Et donc il s'entraîne avec le Tout-Puissant, il revient donc 3 ans après où Goku a juste grandi, il a même dépassé la taille de Bulma. Et donc là, il va y avoir du Shishi contre Goku. Yamcha lui va tomber contre un homme qui est juste, soi-disant, super maladroit. C'est ça en plus, c'est un Lipoutou. C'est un joli Pokémon en fait, Popo. Et donc, Yamcha lui va se battre contre un homme qui est un terrien juste banal, mais qui en fait se trouverait avoir beaucoup de chance pendant ses combats et battrait ses ennemis juste super facilement. Yamcha va donc utiliser des nouvelles attaques juste super cheat, mais va quand même perdre contre cet homme. Donc on va te dire, ouais, mais attends, il y a quand même un blème. Krillin lui va se battre contre Piccolo Junior, où Krillin va aussi se faire violer plus ou moins par Piccolo et être disqualifié. En autre combat, nous avons Tenshin Han contre Tao Pai Pai, où Tenshin Han va bien sûr battre son ancien sensei, entre guillemets, Tao Pai Pai. Demi-finale, Goku, ouais, qui devient cyborg parce qu'il s'est fait violer par Muten Roshi. Et donc, au final, nous avons aussi Tenshin Han versus Goku pendant les demi-finales, où là, Goku va donc éclater et limite violer aussi Tenshin Han. Beaucoup de viols. Et donc, à côté, l'autre demi-finale, c'est l'homme mystérieux
qui est donc un Tarien qui va donc affronter Piccolo et qui va commencer à violer Piccolo. On va dire ah mais attends c'est qui ce mec? En fait c'est le tout puissant qui a pris la possession d'un Tarien et c'est le tout puissant qui est venu sur Terre pour affronter Piccolo. Et donc il fait ouais mais avant on ne faisait qu'un, ne l'oublie pas. Il fait il est temps qu'on refasse plus qu'un nouveau. Et en fait il va faire Mafuba. Il va donc l'enfermer et là Piccolo va faire le contre du Mafuba. Et en fait il va enfermer Miroir. Ça. Et... Non, Piccolo a géré, il est pas disqualifié. Il a abandonné. Pourquoi tu parles? C'est à la fin, mais à la fin, il perd. Pourquoi tu parles? T'es con. Et donc, au final, il va donc se battre contre le Tout-Puissant et faire le contre du Mafuba. Il va enfermer d'ailleurs le Tout-Puissant dans une espèce de petite fiole. Et fiole qui va d'ailleurs avaler Piccolo. Et donc là, final Goku versus Piccolo, où ça va partir en couille. On voit. Non, Krillin a géré et les... Oui, Krillin, oui, parce que Piccolo, il disqualifie pas. Il est content. Ah, oh, je vais réagir contre toi, mec. Il m'a... Le mec, il connaît mieux le manga que moi. Moi qui connais mieux. T'as pas à dire ça. Donc, pour venir à Goku et... Le polo. Et Piccolo. Ouais, donc, d'ailleurs, t'as pensé quoi de ce combat? Parce que c'est quand même la fin... Bah, c'est quand même la fin... Le combat le mieux de Dragon Ball. Ouais. Plus ou moins, quand même. Il y a une cap... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a une capacité de Piccolo... que l'on voit sur ce combat qu'on ne voit plus après, on voit que Piccolo a la capacité de grandir à l'infini. Ah oui, où il devient limite géant et il affronte Goku. Dit qu'on le voyait bleu, ouais. Il devenait bleu. Et bah là franchement j'aurais bien aimé revoir Goku un jour grand quoi, puisque bah... Ok, ma femme dit ok, non, ok, Piccolo, plein de fois. Ouais, Piccolo devient grand et en fait on va pas le revoir comme ça avant très très longtemps, on va même jamais le revoir comme ça. Donc c'est même plutôt décevant, mais bah les couilles. Et donc c'est un truc qui est vraiment spécial, c'est que bah cette technique qui a un potentiel qui est plutôt même sympa et au final Piccolo ne va pas l'exploiter dans Dragon Ball Z. Donc c'est plutôt dommage parce que c'est un truc qui pourrait être intéressant si parce que je crois que la vitesse baisse mais la puissance c'est quand même assez cheat quoi. Et au final bah Goku va bien sûr prendre complètement cher avec Piccolo et descendre du ciel en mode ah attends vas-y attends. Attention, vous êtes prêts? Navas et Piccolo. Et moi je suis Goku. De grandir XD, mais ça pue la merde. Putain. Non, t'es... mais c'est vrai. Les trucs qui sont. Bah toi tu es Piccolo, tu fais oh là là, j'ai gagné. Non, c'est quoi qui fait ça? Non, c'est quoi qui fait ça? Moi j'ai gagné. Ah oui, tu tombes sur moi. Oui. Ah, j'ai gagné. Oh, attendez. Vous êtes prêts? Imitation, fin du combat Goku versus Piccolo. Faut que je me lève aussi? Non, reste comme ça. Moi je tombe du ciel. Moi je fais. Ah j'ai gagné. Non. Voilà. C'était la fin de Dragon Ball. C'était la fin de Dragon Ball. Et donc au final sur la fin de ce combat nous avons aussi Goku et donc donné un Senzu à Piccolo et faire oh là là tu es peut-être l'adversaire le plus puissant que je n'ai jamais affronté, ce serait bien qu'on se raffronte un jour. Piccolo il fait j'ai besoin de ta pitié, il fait je deviendrai plus fort et je te tuerai, je te détruirai Goku. Et donc il part et le tout puissant fait mais je suis fou, c'est abominable ce que tu es, qu'est-ce que t'as fait. Et il fait Goku t'es devenu plus puissant que moi Goku, est-ce que ça te dirait de devenir le dieu de cette planète? Et Goku dit bah non. Il fait pourquoi? Il fait je ne veux pas devenir le dieu de cette planète. Il fait mais pourquoi? Il fait parce que. Et il prend raison inconnue, il prend la main de Shishi et il se barre sur le Kinto Un. Non le nuage magique. Ta-na-na-na-na. Donc voilà, c'est la fin de Dragon Ball. Dragon Ball se finit comme ça. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Bon ben on vous laisse. J'espère que ça vous. Ça serait tellement triste de partir comme ça. Mais donc voilà, après, Shishi et notre cher Goku vont se marier, avoir Gohan, leur premier enfant, et après des Saiyans, des cyborgs, des planètes très très loin, des dieux, des Super Saiyan 1, 2, 3, des Super Saiyan God, Super Saiyan, des Saiyajin, des Broly, des Thalès, des Bojack, des plein de monstres, des Mirai Trunks, des Vegeta, des Nappa qui sont violés, des Janemba, des Raditz, frère de Goku qui a déjà une coupe de Super Saiyajin 3, meilleur avec des cheveux bruns. Donc on se demande que si Raditz un jour développe la transformation de Super Saiyajin 3
où arriveront ses cheveux, moi je ne sais pas du tout, des Saibaman, Saitaman, ouais, c'est vraiment très intéressant, Saibaman je crois, et ensuite voilà, Gohan qui va détruire et violer avec une transformation juste phénoménale, où bien sûr là, par ce biais, il va aussi perdre complètement toute crédibilité via le manga, et devenir une sorte de héros masqué avec du vert, du orange, du rouge, du noir, qui a le vertige, tout à fait, il va donc rencontrer vite. Alors qu'il vole. Ouais, c'est tellement triste. Non mais je pense que c'était pas le même mec à ce moment-là, c'est... Si ah, ouais. Et des boobs, effectivement. Et des boobs aussi, des boobs. Donc avez-vous des questions, en tout cas, sur l'univers de Dragon Ball? Désolé. Ouais, à part ces 18 paroles. Effectivement, y'a pas vraiment. La stupidité de Kria, on pourra en parler aussi. Oui, c'était quand même un cyborg, hein, c'est quand même ça. Non ? Ah, d'accord. Ouais. Quel est votre personnage, les amis, préféré de Dragon Ball ? Toi, c'est qui, toi ? Dragon Ball tout court, dans Dragon Ball je dirais peut-être Piccolo. Je dirais Boo, moi. Je dirais Freezer. Piccolo, la Piccolo. Pourquoi tu es pas de Boo? Tu rigoles parce que t'as pas compris. The Light Knight arrive sur la fin. Salut tout le monde, j'étais au match France-Allemagne Dragon Ball. Il nous lit beaucoup. Est-ce que le match était bien? Parce que tu nous en parles souvent. Est-ce que le match était bien? Dragon Ball, c'est le manga légendaire. Son Goku est mon préféré. Ouais, Goku est juste super stylé. Bah, après, moi, en personnage pas préféré, mais personnage que j'aurais aimé plus voir en avant, c'était Yamcha. Yamcha, je trouve qu'il avait un potentiel pour devenir un bon personnage, sauf qu'il a trop été laissé de côté en fait. Parce que le mec arrive et tout, il fait Rosa Foufou Ken. Il fait. Non, il fait. T'as pas vu le même Dragon Ball que moi, toi. Le mec fait Rosa Fufuken. Miaou. Non, sinon il y avait. Gohan Ultime, dans Dragon Ball, Gohan Ultime. Il m'a expliqué qu'il me demandait lequel était meilleur entre DBZ et DB. Ah si, DBZ. Les combats sont plus. Bah, j'en parlerai quand on fera une critique de Dragon Ball Z, mais pour moi, Dragon Ball Z a dû s'unir à Freezer. Il était trop bien le match, on a gagné 75-52. Bah, bien joué la France. Non, contre Cell. Votre Kamehameha ? Ok. Ah, mais toi t'as un bras qui est abîmé en plus. Ah, ouais, on vous a fait la fin Piccolo Goku, là on vous fait bien sûr le dernier Kamehameha contre Cell. Tout de suite là ? Ah bah il demande. Bien sûr, n'oubliez pas que Gohan est en train de galérer et que Goku apparaît comme ça, donc il va falloir que j'apparaisse comme ça. Ah, mais là, on nous verra rien. Oui, mais faut qu'on se baisse un peu. Mais. Attends, ça devient un peu pitié quand même. Oui. Donc il faut que tu dises. Kamehameha, ça va, je sais retenir les paroles. Non, là, faut que tu dises, papa, je suis trop faible, je ne peux pas y arriver. Ah, mais là, on est quand même trop petit. Enfin, trop grand. Est-ce que je peux. Oups. Non. C'est un bouton qu'il fallait pas. Non, là, ça passe. Attends, et moi, faut que je passe derrière toi en mode gros pervers pédophile. Ouais, je fais ça, je fais. Ah. Et je dis quoi déjà? Tu fais. Attends, non. Non, comme ça. Attends, ah, fais... non, comme Kya ça. Mais. Là, ton bras là, déjà, il est cassé. Ah oui. Non, mais c'est celui-là qui est cassé, du coup, il se le tient, non? Non? Non, c'est le bras gauche qui est cassé. Il était comme ça, t'es. Papa, j'ai pas pu y arriver. Vas-y, arrive. Et vous allez voir à quel point Dragon Ball Revolution était dur quand même pour des acteurs, parce que c'est super dur de faire ça. Frieza est le méchant le plus badass de la saga. Putain, faut arrêter de nous miner les combats finaux. Mais quoi, mais on a roi? Ah ouais. Ok, donc là, attends, on va commencer. Alors Quentin, rien que pour te faire chier et pour nous ridiculiser et pour montrer que c'est une chaîne fun que nous avons, on va te faire la fin de Raditz, parce qu'elle est facile, la fin de Freezer, la fin de Cell, la fin de Boo, et voilà, on fera les 4 et on reprendra le live. Mais rien que pour vous faire chier. Attends, on fait la fin de tous les trucs. Raditz, Freezer,
Parce que Vegeta Goku c'est. Ah non, il est comme ça, il. Alors, vous êtes prêts? Grosse gaffe, je suis pas prêt. Mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? Tu peux pas. Mais lâche-moi là, qu'est-ce qu'il me fait? Non, la sextape! La sextape, elle commence là! Voilà. Bon. Ça, c'était pour du Raditz, ou après, bien sûr, il se fait transpercer avec le Makenko Sanpo de Piccolo. Ah oui, d'accord. Putain, faut arrêter de nous mimer les fins. Ouais, mais attends. Donc, attends, ensuite, pour on a dit quoi? Freezer, tu voulais faire Freezer. Ah oui, Freezer. Bah, il se fait couper en deux et après, il fait hey, je t'ai niqué. Ah, Ah oui, ça c'est facile. Donc, Cell, parce que c'est classe. Qui fait Goku pour Raditz qui sera derrière l'autre? Bah, moi, je viens d'être derrière Nava. Allez, donc. Allez, tu vas calmer la merde, et moi j'apparais. Ok. Oh, moi, gros pervers. En gros, je fais. Ah mais là, t'as pas, là. Mais c'était comme ça. On dirait une diarrhée de ouf. Allez, mais apparaît. Oui, mais attends, je n'apparais pas maintenant. Normalement, moi, j'étais juste à la fin, je faisais. Ah, je... Et après, moi, il était comme ça et tout, il faisait. Va, j'ai fait ton. Maintenant. Attends, ensuite. Bah, je pense que c'était quand même plus épique que dans l'anime. Hein. Voilà, faut le dire. Donc, ensuite, tu vas prendre le casque. Tu vas réaliser le vœu sur la planète Namek quand je te dirai de me passer la force que j'avais en arrivant sur la planète des dieux. Comme ça, je pourrais finir Genkidama contre Bou. Ouais. Suivi. Non plus. Alors, toi, tu es Dende, tu vois. Tu es Dende, tu es sur la planète, bien sûr, Namek. Et tu vas réaliser le dernier vœu, bien sûr. Pour que je récupère la force que j'avais avant. Pour en deux pour mimer la mort de Frieza. On verra ça tout à l'heure. Moi, Raditz se fait transpercer. C'est la vie. Bah, c'est Mpo. Je fais plus. D'accord. Bon, attends. Normalement, c'était. Il était comme ça. Oh, bon, eh, parfait, la lumière. Levez les mains en l'air. Je dis quoi, moi? Les abonnés. Et attends, c'est le fait. Eh. Je dis quoi, moi? Et après, il faisait ça, il faisait. Ah! Attends. J'ai une crampe! Hein? Et après? Dende, est-ce que tu peux redonner la force que j'avais quand je suis sur la planète? Oui! C'est tout! Bah fais le feu parce que je pense avoir mal! Donnez toutes vos puissances, mettez les mains en l'air! Attends, faites le smiley! Attends, je fais un smiley, tu permets? Attends, c'est quoi déjà le smiley? Ah, je commence un peu à avoir une crampe! Ouais, t'inquiète, attends, ça passe! Faites le smiley! Merde, comment on fait smiley? La lumière diminue. Attends, j'arrive plus à faire ce smiley là. Attends, comment on fait cette barre là? Reviens là, attends. Pose ton Genkidama et viens. Comment t'appuies sur ça? Ça veut pas. En fait, les smileys avec les mains comme ça. Oui. Ah, et faut que tu fasses le bas, Shenron, pour que je récupère ma force. Shenron et les abonnés, prêtez votre force. Non, j'ai pas compris. Faut que je récupère la force que j'avais en arrivant sur la planète. Tu demandes ça, Shenron, par contre, je serais déjà. Non, rendez la force à Goku, enfin à Darkoz. Allez. Après, t'es ça, il fait. Merci, tu reviendras quand tu seras quelqu'un de bien et que tu seras réincarné. Il fait ça, il fait. Allez. Donc, ouais, donc après. Donc, le c'était live. La fin de ce live. C'est devenu triste. Donc, par contre, il n'y a plus de musique. On va mettre de la musique. Il n'y a plus d'ambiance non plus, je crois. Hop, je baisse un peu. Je remets un peu de musique, hein. Ah là, les gens, ils ont compris, ils ont mis les trucs. Putain, pourquoi ça lag chez moi? Je veux voir les mimes. Ah merde, ça a lagué chez moi. Moi je dis en continuant, on parle de tout et de rien. T'as faut arrêter de nous mimer les gros. T'as par contre t'es épuisé. Hein. Non mais j'ai la crème en plus. Oh, prêtez-moi votre force. Encore hein. Finir le match.
taser pour le casse. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Dragon Ball, très très grand manga de Akira Toriyama, les amis. Akira Toriyama qui a quand même développé le mode, le chef, c'est... Le mec, quand même, il a créé un manga, et partout que ce soit au Japon, dans le monde entier, on l'appelle le maître, quoi. Il a posé ses couilles, on va dire. Ouais. Très très grand chef. Pensez qu'à la base... Pourquoi ils vont chialer les musiques derrière? Pensez qu'à la base, Dragon Ball devait être un simple manga pour, au final, faire rire les gens, et que ça a pris une ampleur juste phénoménale. T'as vu, chialer de ouf, hein, la musique. Putain, Dragon Ball, c'est trop bien, quand même. Ouais, Dragon Ball, Dragon Ball. Ouais, bah on est bientôt à 1600, là. Donne tes cheveux, Nava, je te passe toutes mes cartes Yu-Gi-Oh. Ah bah là, là, je veux... tu es devenu riche. Tu as de quoi, tu as de quoi faire une couverture, mon grand. Dragon Ball, le manga légendaire, ouais. Très très grand manga. Très très grand manga. Ils vont se mettre à chialer, t'es genre les mecs tranquilles. C'est beau quand même. Pensez. Allez, les 2000. On y arrive, on y arrive. On va éviter les strikes. Moi ouais, j'aime bien les strikes, je trouve que ça donne du piment. Ok, je vais me faire niquer. Du piment dans ta gueule tout à l'heure. Moi je dis on teste un jeu, pour voir si ça marche. Non. C'est beau. Ils vont arriver les 2000, les PD. Eh ouais. Mais attends. Le mec il dit qu'on est PD, il fait eh ouais. Pas pour 2000 là parce qu'on est PD, ouais. Pour l'instant c'est Dragon Ball le manga le plus culte. Ouais, même si oui, One Piece commence à poser ses couilles là. One Piece c'est ouais bah là c'est la génération d'avant, ouais. C'est plus mais il y a aussi Jojo, même dedans on en parle pas beaucoup mais c'est quand même bah, tu veux que je parle des références? Vas-y, pose le casque. S'il dit un mot sur Jojo, je quitte ce live. Ah bah on va parler de Jojo. Alors, juste pour parler vite fait, hein, on va juste vite fait s'attarder. Hop, on va faire Jojo Bizarre Aventure. Ou Jojo no Kimiyo Naboken. Hop, le wiki qui est là. Alors attends, à la fin de One Piece, ce sera ce manga le plus culte. Je pense comme toi, Zoro. À la fin du collège. Ah là par contre il y a du ACDC derrière. Bon, approche-toi. Alors juste pour faire entrer quand même les références qu'a fait Jojo quand même dans tous les trucs. Il y a tout ça. Est-ce que je peux éventuellement... Enfin, ça va être chiant si je fais ça. Alors on va en citer quelques-uns. Parce que je vais en citer quelques-uns. Alors, dans One Piece, les combats peuvent être similaires à Jojo dans la mesure où chaque individu possède un pouvoir particulier limité uniquement à leur imagination. Ce genre de combat est aussi présent dans Naruto lors de l'examen des Chunin où certains protagonistes se démarquent à l'aide de leur ruse. Donc tu vois, donc ça c'est hop, référence. Non mais non, c'est marqué. Être similaire à Jojo. On peut remarquer une similitude frappante entre le poison qu'utilise Mayuri Kurotsuchi, le capitaine de la 12ème division du Gotei 13 dans Bleach, pour se défaire du 8ème espada Apollo Grants, Zayel. Oh putain, on va dire Apollo. Je dis tout le temps Apollo.
et le pouvoir de Gold Experience lorsque celui-ci est employé sur des humains par Giorno Giovanna, partie Gold Enemy, donc la partie 5 de Jojo, tel qu'on le découvre lors de son combat contre Buccellati. Les effets du 10 poisons sont également exactement ce qu'a subi Buccellati lorsqu'il a été frappé par Gold Experience. Boîte de striptease ici avec, avec la musique. Et évidemment, il y a des références aussi avec Polnareff et Benny Maru dans King of Fighters pour le jeu de combat. Il y a Lisa Lisa avec Rose et Stroheim avec, Guile de Street Fighter. Jotaro avec Ban de Fighting Vipers. Voilà, il y a plein de trucs. Dans Bleach, le bankai du capitaine Komamura fait allusion au stand, et si son bankai se fait toucher, les dégâts sont infligés à Komamura. Komamura, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Bleach, mais qui connaissent vite fait les visages, c'est carrément du coup celui qui a une tête de loup. Dans le jeu Dinosauro de la série Castlevania sur Nintendo DS, un des boss ressemble fortement à Dio Brando. Zephyr est capable de stopper le temps, il inverse même les couleurs à l'écran, emprunte à Dio sa phrase clé Tokiwo Tomare, lance les couteaux et porte une tenue similaire, même la pose qu'il prend est ressemblante. Et voilà, il y a plein d'autres trucs sinon. Et évidemment aussi dans Hunter x Hunter, le manga de Yoshiro Togashi, l'apparence d'Hisoka est assez inspiré de Dio Brando, le grand méchant de jeux Bizarre Aventure. En effet, il possède le même style de chaussures, de pantalons. Ils ont le même genre de symbole sur leur veste. De plus, ils ont tous deux une marque en forme d'étoile sur le visage pour Hisoka et sur Hisoka et pour la nuque, et aussi une étoile sur la nuque de Dio. Tous deux sont également reconnus comme étant méchants charismatiques dans leurs mangas respectifs. La partie Sensui de Yu Yu Hakusho, autre manga de Togashi, comporte de nombreux clins d'œil à la troisième partie de Jojo. Anamuna, je sais pas ce que c'est, et Kaito Yu rappellent étrangement les frères Darby. Itsuki a un pouvoir d'ombre comme Aleshi, et le docteur Kamiya a un pouvoir et une zone limitée comme les stands, etc, etc, etc. Bref. Bref, voilà. Une tête de renard, oui, effectivement, oui. Désolé. Enfin, une tête, ouais, une tête d'animal, quoi, bref. Bref, voilà. Je pleure pas, hein. Pourquoi je parle de Jojo? Bah parce que tu ne crois pas qu'il y ait des références dans Jojo et que c'est un manga culte. Bah oui. Mais pleure pas, hein, ça va aller. Ah, tu vois, Quentin, je t'ai dit qu'il aimait pas Jojo. Je l'avais dit. Je remets bien là. Vous connaissez le manga Psyren? Moi, ça me dit rien du tout. Est-ce que tu connais le manga Psyren? Donc non, on connaît pas. Oh, j'ai raison et ta gueule Darkos, regarde Jojo, sinon je te bute. On ne parle pas d'un manga qu'on n'a pas vu. Exactement, voilà. Ouais, t'as joué au jeu et vu, t'as regardé la première saison, t'as même pas commencé les meilleures saisons. À partir de la saison 2, c'est ouais, trop bien. En même temps, s'il faut attendre l'épisode numéro 500 pour arriver à pour faire bien. T'as osé faire quoi là? Mais non, mais je sais pas, c'est comme Bleach aussi, tu t'es arrêté alors que ça devait... En fait, toi, t'as une habitude, si tu commences un manga, et tu t'arrêtes plus le poil quand ça commence à devenir de la bien. Sur Bleach, j'avais aimé l'hiver. Je regarde les Skype parce que c'est une série YouTube, mais lui, c'est un hiver qui m'a pris. Un truc d'esprit, un truc d'épée. Tu sais, je charge des excuses. Je pleure, il est tellement classe ce manga. Oui, c'est vrai. Par contre, si on te fait pleurer, c'est qu'on est fort, quoi.
Bon, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Bah non, mais je demandais si c'était des questions sur Dragon Ball, mais personne sur live. Ne pleure pas, hein, ça va aller. Hein. Bah, on avait posé des questions parce que ça fait trop que je leur demande, mais. Alors, Darkos veut que vous posiez des questions sur Dragon Ball, sinon il va se tirer une balle, hein, regardez sa tête. Je pense que c'est le live à la base, Dragon Ball. Pas sur un Jojo. Bah, on a un peu parlé de Dragon Ball pendant exactement. Attention, j'ai le temps. Pendant une 2 heures. 1h51. Et tu dois être ouais, en train de regarder des trucs parce que j'ai plus de quoi. Regarde. Allô, regarde là, oh, et Joseph Joestar est tellement puissant la saison 2 et 3, bah oui, effectivement. Évidemment. Évidemment, évidemment. Elle pleure pas. Hein. Vous étiez pas chaud ce soir, hein. On était quand même 20 l'autre jour. Bah, tu pensais vraiment qu'il allait avoir 500 mecs qui allaient venir. Bah, non, mais au moins 20 quand même. Bah, coupe parce que moi ça me fait baisser mes trucs. C'est triste. Ouais, mais bon, j'ai pas non plus. Ah, si vous avez plus d'autres questions, bah. Oh, bah, on va pas tarder à y aller du coup. Ouais. Ok, bah, dans DBZ, pour toi, c'est qui la mascotte? Plus plume, je dirais. On voit plus souvent que l'autre. De toute façon, c'est le même qu'un des deux, c'est Shenron le mascotte. Oui. De toute façon. Prévenu sur la chaîne aussi. Bah, en fait, la chaîne secondaire c'est fait exprès pour être prévenu, donc ceux qui sont pas sur la chaîne secondaire ne seront pas prévenus. C'est fait exprès pour prévenir justement. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne. Est-ce que tu nous suis sur Twitter, sur Facebook? Ouais. Parce que là, l'info est partie sur tout. J'ai même partagé sur Skype. J'ai fait sur Skype, sur Twitter, sur Facebook, sur la chaîne secondaire. Même pas Bulma, vu que c'est pas une combattante. Le perso le plus classe de DBZ c'est Gohan SSJ2. Ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Alors, est-ce que vous préférez, enfin, pour ceux qui aiment bien Gohan SSJ2, est-ce que vous préférez Gohan avec la tenue justement contre Cell ou avec la tenue de son père, entre guillemets? Qu'il a dans. Contre. C'était qui, contre qui tu m'as dit? Bojack? Bojack. Voilà. Quoi? C'est quoi cette musique? Bah, c'est la même musique que tout à l'heure. Il y a un mort ce soir. Ça a remis. Mais non, c'est une musique de jazz. Moi, j'ai pas ça, je suis que sur Skype. Moi. Ouais. T'as pas Facebook ni Twitter? T'as même pas abonné à une chaîne secondaire? Bah, viens. Ah, je préfère te compter celle aussi personnellement parce que celle avec. Enfin, celle qui ressemble à son père, je trouve qu'elle est un peu. Enfin, je. Pas trop mon truc. Toi, tu la préfères, non? Ouais, celle de son père, elle est bien, mais je préfère celle de Piccolo. Parce que. Ah oui, oui, celle de Piccolo. Je trouve que, sans tout tout con, mais via l'histoire de Gohan, c'est mieux que la tenue de Piccolo, puisque. C'est son. Selon moi, parce que nous sommes pas en scène, c'est pour moi. C'est pas scène, pour moi, Piccolo, c'est le père de Gohan. C'est lui qui a le tout père spirituel. C'est le mec qui a tout appris à Gohan. Il a appris à Gohan ce qu'il est aujourd'hui. Quand Goku est en train de courir pendant un an au paradis comme une vieille merde, bah, t'avais quand même Piccolo. Ouais, c'est quand même, c'est pas Piccolo qui a appris en ce moment, c'est J2 Gohan. Ouais, oui, mais c'est quand même lui qui a fait son enfance, c'est quand même lui qui l'a éduqué, quoi. C'est quand même lui qui l'a entraîné pour l'arrivée des Saiyans, tout comme ça. Oui, mais contre Cell, c'est son père. De toute façon, même Gohan l'avait dit dans un épisode qui s'habillait plus comme Piccolo. Oui, ça. Il y a à peu près 30 secondes entre le moment où on écrit et où vous le lisez. Oui. Malou. C'est vrai. Il y a un petit décalage. Et là, la connexion commence à sauter un petit peu des fois. Bon, de toute façon, on va plus tarder. Ouais, on va pas tarder à arrêter le live. Je pense qu'on a fait le tour de toute façon. Ouais.
globalement. Bon, bah sur ce, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne secondaire. Ouais, de toute façon, le live, du coup, si jamais vous voulez re-regarder depuis le début, il y aura normalement la rediff sur le Twitch. Je sais pas, ça va être disponible tout de suite après ou ça va revenir après, je sais pas. Dans quelques jours, peut-être. Mais en tout cas, normalement, j'ai cliqué sur le bouton qui est censé archiver les lives, donc ça devrait être bon. Donc si j'arrive pas à le mettre sur YouTube, en tout cas, ce sera sur Twitch. Donc voilà. On dirait que t'as tiré une balle. Non, arrêtez pas. Bah ouais, mais en fait y a plus rien. Donc on continue sur Skype ou Darkos va se tirer une balle avant. Je me tirais une balle sur Skype. Ça fait que 15 minutes que je suis là. Bah oui, mais bon. Bah j'aurais bien continué, mais j'ai l'alaco. Enfin, de ce que je vois, ça commence à sauter, donc. J'irai, enfin, de toute façon, je préviendrai, comme j'ai dit lors de la vidéo d'avant, que quand je serai tout seul, je ferai peut-être des vidéos de let's play ou des trucs comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, les let's play, quelques jeux, je sais pas, je vous demanderai, je ferai peut-être un Stropole pour savoir si quel jeu vous intéresse. Et puis, je ferai un petit let's play. Évidemment, ce sera un jeu assez vieux pour que ça puisse se tourner sur mon ordi. Parce que moi, même si c'est un jeu récent, ça tournera sur l'ordi, mais c'est pour que ça lag pas chez vous, quoi. Ce sera des vieux jeux, genre des jeux en 2D ou des jeux. Je sais pas. Des jeux de PS1. Des Final Fantasy. Je ferai des putains de let's play de Final Fantasy. Darkos n'aime pas les Final Fantasy. Ouais, Darkos n'aime rien. Regardez, cette personne. Personne. C'est vrai. Bon allez, sur ce. Alors donne la chaîne secondaire s'il te plaît. Bah je te la passe sur Skype. Tu vas sur la chaîne primaire. Je vais faire mon gros reboot parce que je me fais chier. Tu vas sur la chaîne primaire et c'est sur la subbox à droite. Je te la passe sur Skype. Non, tu fais un minimum d'effort sur la chaîne primaire. Tu vas sur la subbox à droite et elle est affichée. Voilà. Bon bah on va vous laisser du coup. Bah, j'espère que pour ceux qui ont vu le live du coup ça vous a plu. Je crois que Gamer TV il est parti et qu'il devait revenir. Ouais, bon, Bédis, elle nous a quitté. C'est une fille. Ok. Bon bah sur ce. Bah bonne soirée à vous. Ouais, on peut continuer à parler sur Skype. Y a pas de souci de toute façon. Ceux qui sont là. Quand t'as la chaîne secondaire c'est. Ah bah t'es gentil. La night. Bon Mathieu. Bon. demain, Naruto Shippuden et SNCA. Voilà. Je vous ai pas encore fait. Quand il sera motivé. Quand j'aurai plus la crème aussi. C'est une excuse. Bon, je vais la laisser. Jusqu'à qu'on quitte. Voilà, donc on vous dit bonne soirée. Enfin, je vous dis bonne soirée. Et puis, bah, du coup, Darkos va aller se tirer une balle vite fait. Puis il revient après. Voilà, fais un bisou. Fais un bisou à tout le monde. Salut. Bande de rôles. Je suis malade, j'ai besoin d'aller dormir. Donc, gros bisous à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été présent sur le live. Merci voilà. À vous 5, vous êtes juste topissime. Tu es de merde. Mais ouais, sans plein de bisous, j'espère que le live vous a plu, que avoir tracé Dragon Ball avec vous vous a plu. La preuve, on était censé partir sur un débat sur Dragon Ball, mais c'est vrai que bah après, j'ai mis débat slash discussion. Ouais. Donc on vous laisse, parce que bah, mon frère veut que je l'appelle, ma copine veut que je l'appelle, donc voilà, je suis un mec qui est très demandé, ouais. Donc voilà, les gens. Bisous à toutes et à tous. Bisous à tous. Portez-vous bien et vous dis à la prochaine. À la prochaine. On se retrouve voilà, on se retrouve sur la chaîne principale et je vous tiendrai au courant quand il y aura des lives sur des let's play ou sur des débats en particulier. Ouais. Voilà. Au revoir. Allez, fais un bisou. Je me l'ai appelé. Allez. Vas-y, mais fais un bisou. Ah, on va faire un. La sextape, vous la verrez pas.
Allez, à plus tout le monde, du coup. Ça qui est loin. Le live se termine bientôt. Voilà, c'est bon, voilà, c'est tout. Tu l'as arrêté là? Non, j'ai encore le micro d'allumé d'ailleurs, du coup, on va le couper. Ils sont chiants les...